Bien, chers collègues, on me dit que le quorum est atteint. Nous allons prendre le risque de le vérifier. Et avec un peu de chance, c'est vrai. Et on a une deuxième chance avec le fait que pendant que nous allons faire l'appel, eh bien, d'autres personnes vont pouvoir arriver. Je vais laisser la parole à Monsieur Tasse, directeur des affaires juridiques, qui va procéder à l'appel. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Patrick Haddad. Madame Annick L'Olivier Langlade. Monsieur Manuel Alvarez. Madame Justine Mayol. Monsieur Anthony Alap. Alors, pouvoir à Stéphanie Abbas. Madame Shaïsta Raja. Présente. Monsieur Christian Simakala. Présente. Madame Isabelle Plot. Présente. Monsieur Élie Krief. Présente. Madame Chantal Aounou. Présente. Monsieur Jean-Jacques Chris. Présente. Madame Marie-Annick Dupré. Présente. Monsieur Saïd Ramani. Présente. Madame Cynthia Mouyombo. Monsieur Yuri Mazusako. Pouvoir à Jocelyne Mayol. Madame Charlotte Rabi. Monsieur Stéphane Yabas. Madame Laura Menasseur. Monsieur Lazare Benakoun. Pouvoir à Laura Menasseur. Monsieur Sébastien Coano. Pouvoir à Annick L'Olivier Langlade. Monsieur Charles Soufir. Pouvoir à Jean-Jacques Chris. Madame Sylvie Laposta. Monsieur Christian Serrano. Monsieur Eric Tcheco. Il va arriver. Madame Djamila Amiani. Monsieur Navaz Mohamed Ali. Pouvoir à Djamila Amiani. Madame Isabelle Tandlich. Monsieur Serge Samama. Pouvoir à Charlotte Rabi. Madame Anissa Djunaid. Pouvoir à Maïmouna Camara. Monsieur John Borges. Pouvoir à Cynthia Mouyombo. Madame Déborah Israël. Pouvoir à Isabelle Plot. Monsieur Sylvain Lassonde. Pouvoir à Christian Serrano. Madame Anissa Mahamat. Pouvoir à Franz Maurice. Madame Maïmouna Camara. Monsieur Franz Maurice. Madame Saïda Contesen. Madame Patricia Huchet. Je ne sais pas. Elle arrive. Pas de problème. Monsieur René Taïeb. Je pense qu'il est absent. Voilà, Madame Huchet est là. Bonsoir, Madame Huchet, je vous en prie. Monsieur François Pupponi. Pouvoir à François-Xavier Valentin. Monsieur Ali Abchich. Madame Samira Edoud. Je suppose qu'elle est absente. Monsieur Jocelyn Assor. Je suppose, sans trop prendre de risques, qu'il est absent également. Monsieur François-Xavier Valentin. Madame Nadine Langlais. J'ai l'impression qu'elle est absente également. Et enfin, Madame Odile Stanciou. Elle est présente. Bien. Monsieur Tasse, on est d'accord qu'on a le quorum? Oui, effectivement, nous avons le quorum. C'est formidable. C'est parfait. Merci, messieurs, dames, de votre présence. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué de mobiliser les gens à cette heure-ci, surtout qu'on a prévenu qu'en fin de semaine dernière. Mais voilà, vous connaissez les événements que connaît la France et la ville de Sarcelles également. Et donc, on a pris cette précaution d'avancer le conseil municipal de façon à ce que à la fois les débats puissent se tenir jusqu'au bout hein, sans les écourter et qu'on finisse aussi à une heure qui est compatible avec le fait que même si les violences urbaines sont beaucoup moins intenses ces derniers jours, voire que le calme est revenu partiellement voire totalement, on préfère être prudent quand la nuit tombe et que les uns les autres, notamment la police nationale, les médiateurs, mais les élus aussi mobilisés, puissent se concentrer sur la sécurisation nocturne et que, pour cette raison, il nous a semblé plus prudent de nous réunir plus tôt, pour finir, évidemment, un peu plus tôt, même si l'idée est que la démocratie fonctionne et qu'on ne bâcle pas les débats pour autant. Donc, je vous remercie d'avoir accepté de vous déplacer un peu plus tôt. Donc, j'excuse plus facilement encore celles et ceux qui n'ont pas pu et qui ont donc donné pouvoir. Je vais, avant d'ouvrir à proprement parler, désigner un ou une secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des volontaires? Monsieur Ramani, voilà, Monsieur Ramani, levez la main. Parfait. Donc, Monsieur Ramani, le secrétaire de séance, il y a les procès-verbaux des séances des 13 février
et 3 avril 2023, est-ce qu'ils appellent des questions, des demandes de précision? Ça va? C'est parfait. Nous allons passer au point 1.1 qui est le compte-rendu des décisions prises par mes soins dans le cadre de ma délégation de pouvoir. C'est un prendre acte, mais évidemment, il peut donner lieu à un certain nombre de questions. Allez-y. Monsieur Valentin. Première question sur le cèdre bleu, c'est la 273 et la 274. C'est un petit peu préoccupant parce qu'on voit des réévaluations de coûts de travaux qui sont réévalués à hauteur d'environ 6% sur la 73 et la 74. Donc est-ce que vous pouvez nous rassurer là-dessus et nous expliquer pourquoi cette réévaluation? Oui, tout à fait. 73 et 74, on a un certain nombre de difficultés avec plusieurs entreprises hein, sur le cèdre bleu, avec donc ce lot 10, hein, plomberie, chauffage, ventilation, où en fait il y avait des travaux qui n'avaient pas été bien estimés au départ. Et donc là, on est sur 5,42% de plus par rapport au marché initial. Donc ça reste quelque chose de raisonnable. Et le deuxième avenant, qui est toujours un avenant numéro 1, mais sur un autre marché, cette fois c'est avec la société Chapelec, hein, sur le gros œuvre, le clos couvert, où là aussi il y a le besoin de réévaluer, de retravailler sur la formule de révision de prix. Là, ça n'est pas des travaux non inclus, c'est le résultat de l'inflation sur les prix des matériaux. Et donc, elle est contenue à 6,35%, ce qui n'est pas... c'est toujours plus cher que ce qui était prévu, mais ce n'est pas tant que ça, eu égard au niveau qu'atteint l'inflation. Plus généralement, hein, pour être totalement transparent sur le cèdre bleu, parce qu'il est normal de l'être avec des décisions municipales et qui engagent autant d'argent public, il y a d'autres sociétés, il y en a deux qui ne seront pas en mesure d'assurer les missions qui leur étaient confiées de façon contractuelle. Et donc, on a procédé dans une CAO la semaine dernière à leur remplacement par d'autres sociétés, en travaillant avec leurs sous-traitants notamment. Et donc, il y a à la fois un décalage temporel, hein, c'est-à-dire que le cèdre bleu, donc on parle bien de la partie achetée par la ville et les travaux faits par nos entreprises, plus la partie communauté d'agglomération pour la médiathèque, donc on parle bien du centre socioculturel, qui sera, donc la date de livraison annoncée, maintenant la fin d'année 2024, et non la fin du premier semestre 2024. Donc on est sur cette échéance-là, et on a une plus-value globale. Une plus-value, c'est, en général, on pense que c'est positif, mais quand vous êtes le payeur, ça n'est pas positif, la plus-value, évidemment. Donc ça va nous coûter, on a quoi, Christophe, un bon million d'euros, là, sur le... 1,2 million d'euros de plus que ce qui était prévu. Et donc, on est sur une enveloppe, on est à 8 millions à peu près de travaux, c'est ça, au lieu de, voilà, d'être sur 6-8, on est sur 8 millions d'euros. On a optimisé les subventions là-dessus, ce qui fait que c'est quand même un projet, évidemment, sur lequel on a mis de la DPV, on a mis des fonds européens, on a mis un fonds de concours de la communauté d'agglomération, une subvention départementale, deux subventions régionales, puisqu'il y a deux équipements qui peuvent être subventionnés, la médiathèque où c'est l'agglo qui paye. Donc tout le coût n'est pas à la charge de la ville, mais il y a effectivement un reste à charge qui n'est pas négligeable, mais qui est relativement courant. Moi, par exemple, pour siéger au conseil départemental, quand on regarde les budgets pour faire des collèges, par exemple, le temps que ça prend finalement par rapport au temps prévu et les budgets, on est sur des choses qui dérapent bien au-delà de ça. Là, c'est certes pas un chantier aussi gros qu'un collège, mais enfin, on est sur quelque chose de costaud, en mètres carrés, mais surtout en technicité, parce qu'on est sur un projet, c'est sur de la réhabilitation de pierres anciennes, hein, d'un bâti qui a plus d'un siècle, et donc tout de suite, on rentre sur des considérations techniques qui font que les réévaluations peuvent monter assez haut. Mais malgré ça, voilà, on a évidemment et les capacités financières et la capacité de vous dire aussi que le retard pris est d'environ 6 mois. Voilà, merci M. Valentin d'avoir posé cette question parce que ça permet de faire le point plus généralement sur l'avancée de ce dossier très important.
Mais ce que je vois, juste les entreprises qui vous ont fait faux bond. Pourquoi enfin, c'est des entreprises que vous aviez sélectionnées. Donc j'imagine qu'elles étaient relativement, enfin, que vous avez jugé qu'elles étaient fiables. Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement elles n'honorent pas leur, leurs engagements? Alors pour tout vous dire, ça s'est fait avec un architecte hein, qui a donc la maîtrise d'œuvre et donc le choix s'est fait en lien avec le bureau d'études hein, qui est lié à l'architecte et qui donc lui était favorable à ce qu'on prenne ces sociétés-là. On avait quelques doutes. Après, ils ont candidaté en bonne et due forme, donc voilà, on a travaillé avec elles. Mais il y a eu quelques, il y en avait au moins une qui s'est avérée plus fragile que prévu. Et sur une autre, c'est le travail réévalué demandé qui lui était plus important que ce que la société pouvait faire, hein, pouvait réaliser. Et donc, oui, on a. Si vous voulez, quand les sociétés candidatent, vous avez des garanties sur le papier. Dans la réalité, parfois il y a des bonnes et parfois il y a des mauvaises surprises. Donc mauvaise surprise sur deux d'entre elles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à pallier cela en faisant en sorte que d'autres prennent le relais et que donc les choses vont se dérouler normalement malgré les 6 mois de retard et les 1,2 million supplémentaires. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon, ouais, tout à fait, surtout quand c'est un mur de pierre de qualité comme celle-là. Mais si vous avez besoin d'informations complémentaires, hein, on peut vous les donner sur les. Là, ça passe en décision du maire, le rapport de la CAO aussi, il n'y a aucune difficulté hein, si vous avez besoin de ces documents-là. Parce que pour tout vous dire, ça nous arrange pas plus nous que vous, et que voilà, on n'est pas super content de la façon dont ça s'est passé avec le bureau d'études, qui a pas forcément, ça a pas forcément aiguillé vers aussi les bons prestataires. Mais voilà, on va retomber sur nos pattes grâce au travail des services techniques hein, que je remercie de suivre ce dossier de très près. Allez-y, d'autres questions? Oui, Monsieur Valentin, je vous en prie. J'avais une autre question et je ne retrouve plus le numéro de la décision. C'était une décision sur l'attribution de places de parking pour les camions du marché. Ouais, c'est là. J'avais noté 112, mais en fait, ce n'est pas la 112. C'est là. C'est là. Allez-y, posez votre question. Ouais, voilà, ma question, c'est oui, on sait qu'il y a un vrai problème de stationnement. De stationnement des commerçants qui créent des perturbations importantes, notamment avenue Jules Curie dans tout le quartier. Donc, est-ce que c'est là, si je comprends bien, c'est le parking privé qui va être utilisé pour qu'il puisse faire des places réservées. Est-ce que vous pensez que ça va désengorger concrètement les rues et est-ce qu'on pourra étendre cette solution à d'autres parcs de stationnement privés? Alors malheureusement non, parce que en fait c'est une reconduction d'une convention qui existait, d'un bail existant qui est prolongé. Enfin, on refait un bail, donc ça n'est pas une solution que j'ai élaborée, que j'aurais eu le plaisir d'élaborer moi-même. Et en fait, vous voyez comme c'est écrit, c'est pour les chalands. Les chalands, c'est pas les commerçants. Les chalands, c'est les gens comme voilà, comme Monsieur Krief par exemple, quand il va au marché s'acheter des bretelles ou d'autres. Je sais pas, non, c'est pas ça. Excuse-moi, est-ce que t'es dans mon champ de vision, mais je pourrais prendre d'autres exemples. Les chalands, c'est les gens qui vont faire les courses. Voilà, c'est les clients. J'ai lu un peu rapidement. Voilà. Non, pas de souci, mais je l'ai regardé aussi avant de venir. C'est la 112. Et donc, voilà, beaucoup de gens viennent à pied parce que le marché est très central. Mais il y a eu cette facilité qui avait été faite pour faire en sorte que les gens qui viennent en voiture puissent se garer au parking le plus proche sans trop de difficultés. Je dois vous avouer que le fait que la ville mette 15 524 euros par an, bon, là, on ne veut pas pénaliser les gens. On repart pour 23 mois. Moi, je souhaite quand même qu'on réfléchisse un peu de façon globale sur la façon de stationner au marché pour les habitants. Ça reste quand même un marché très piéton. Donc, j'annonce ici, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le faire, qu'on va refaire entièrement l'avenue Joliot-Curie sur deux exercices parce que c'est coûteux. On va la refaire en deux temps, cette avenue Joliot-Curie. Mais notamment, la voirie, elle est finie, quoi, hein, la voirie, aussi bien pour les piétons que pour les voitures sur le mail Joliot-Curie, que l'on va en profiter pour aménager aussi l'entrée du parc Kennedy, puisque j'annonce aussi qu'on a eu une troisième subvention pour le pavillon Kennedy de la part de l'ANRU, à hauteur, M. Ménard, vous me corrigerez, c'est 385 la dernière ? 385.
ce qui monte le total à 885 000 euros des subventions qu'on a pu obtenir. Donc ça le rend finançable avec un reste à charge pour la ville, mais on va y arriver dans ces conditions. Donc merci aux services d'avoir travaillé là-dessus. Donc tout ça est un tout et il faut qu'on le travaille de façon plus piétonne et qu'on trouve aussi des solutions pour les camions du marché en particulier. On verra dans le cadre du travail avec la compagnie des immeubles parisiens sur les flanades si on peut trouver un système dans lequel ils ouvrent sans que ça soit la ville qui paye 15 000 balles. Je veux dire, une fois qu'on met le travail, on met quand même nous 15 millions d'euros dans une voirie qui ne nous appartenait pas à la base, mais parce qu'il fallait bien que tout ça trouve une solution par rapport à la façon dont ce dossier était extrêmement mal conduit par la Caisse des dépôts. Hein. Donc à partir du moment où on travaille globalement et sur le dossier des flanades et sur le maillot Joliot-Curie, il faut aussi qu'on trouve la solution avec les camions du marché. Donc on regarde peut-être dans le cadre de la démolition de la barre Joliot-Curie, qu'on aille jusqu'au bout de la réflexion pour essayer de régler cela, de faire venir pour les chalands, comme on dit, qu'ils aillent aussi le plus de façon piétonne, et pour vraiment trouver une solution pour ces camions, en sachant qu'on a aussi ouvert récemment un parking qui était un parking séquence qu'on a repris à l'euro symbolique et on l'a refait nous entièrement, celui qui est juste derrière la rue Éric de Saint-Sauveur et qui permet de trouver des solutions pour les riverains. Hein, c'est pas pour les camions puisqu'il y a un portique, mais ça permet au moins aux riverains dont les camions prenaient les places, eux, d'être un peu soulagés. Donc voilà, pour l'instant, on compose, mais on va continuer de réfléchir avec nos architectes sur comment on solutionne ce problème qui est celui du stationnement des camions du marché, mais qui est aussi plus généralement celui de tirer le meilleur parti de ce marché qui est très intéressant, très important, mais qui a aussi beaucoup de nuisances et qu'on veut faire absolument diminuer. On devait y être vendredi, on a eu d'autres urgences à gérer, mais on y retourne pour faire en sorte que le marché revienne dans de bons rails et qu'on amène des solutions concrètes à l'ensemble des problèmes qu'il pose en termes de cadre de vie. Voilà, désolé de la réponse un peu longue, mais je crois qu'il fallait. C'est vraiment des sujets au cœur des préoccupations quotidiennes des Sarcellois. Très bien. Et justement, vous faites un peu la liaison avec ma question suivante, qui était celle du Hall Kennedy, parce que j'ai vu qu'il y avait une décision qui correspondait à la convention avec la Fondation du patrimoine. Donc là, le financement, vous avez obtenu l'intégralité du financement pour les travaux, si je comprends bien. Et ma deuxième question, c'est dans mon souvenir, mais je crois qu'on avait évoqué cette question lors d'un précédent conseil, mais mes souvenirs sont un peu flous. Dans mon souvenir, le Hall Kennedy, il appartenait à Haut-Pivoy et donc à Val-d'Oise Habitat. Vous aviez récupéré la propriété. Je ne me souviens plus quel mécanisme vous aviez mis en œuvre ou si c'est toujours du patrimoine de Val-d'Oise Habitat. Alors, c'est tout. On y est là ? Non, on ne l'a pas signé encore. Hein ? Voilà. On va vers un bail emphytéotique sur ce pavillon Kennedy. Ils veulent pas le vendre à l'euro symbolique Non, ils préfèrent un bail à 99 ans. Un bail à 99 ans. Voilà. Mais on va pas payer beaucoup d'argent là-dessus, rassurez-moi. Non. Si vous avez besoin que vous êtes dans les négociations, faut me le dire. Hein, faut pas hésiter à me convier aux réunions de négociations financières avec Val-d'Oise Habitat en général. Quand c'est moi, ça se passe mieux, je sais pas pourquoi. Non, mais sincèrement, voilà. Non, mais on va pas leur donner un euro, hein, que les choses soient claires. Hein, ce truc-là, il n'a aucune valeur. Il va avoir la valeur qu'on va lui mettre, nous, avec de l'argent public. Donc si ce n'est pas un achat à l'euro symbolique, c'est un bail emphytéotique à l'euro symbolique. Voilà. Mais merci de me le rappeler, M. Valentin. Alors, ce n'est pas la totalité du coût, puisqu'on l'estime plutôt à 1,2 million, hein, cette réhabilitation complète. Il fait 300 mètres carrés. L'idée, c'est de le remettre comme il était à l'origine, donc avec ses poutres en bois et ses parois en verre. On va quand même... On avait déjà cette idée-là avant les dernières émeutes, quand même l'idée de mettre un rideau de fer la nuit, parce que ça me paraît plus sécur. Et autrement, c'est réhabiliter à l'identique en termes d'extérieur et en termes d'intérieur, qu'il ait donc deux fonctions, hein, maison de la terre et du patrimoine. Il y a une convention d'ailleurs qui passe là, qui est dans les décisions du maire, sur l'utilisation du parc Kennedy, là c'est à titre gracieux, pour faire de l'agriculture urbaine. Donc ce sera à la fois la base arrière de l'agriculture urbaine, parce qu'il faut bien stocker un peu de matériel, il faut bien faire des ateliers pédagogiques abrités, hein. Il y a tout un travail il y a tout un travail éducatif à faire autour de l'agriculture urbaine. Et puis l'autre fonction,
dans Maison de la Terre et du Patrimoine, c'est un peu celle qu'avait le hall Kennedy au départ, c'est-à-dire le fait d'être le hall d'exposition. Hein, donc, sauf qu'au lieu d'avoir une maquette, la maquette en physique, en dur, celle qui était à la Maison du Patrimoine, l'idée, c'est d'avoir une véritable exposition, non seulement sur l'histoire du grand ensemble, mais sur l'histoire des grands ensembles, et puis sur l'histoire du peuplement des grands ensembles, celui de Sarcelles et d'autres. On a toute une série d'archives que l'on a. On a le Musée national de l'histoire de l'immigration avec lequel on est partenaire, et qui souhaite travailler avec nous là-dessus. Donc on aura un musée sarcellois dédié aux grands ensembles et à leur peuplement dans ce pavillon Kennedy. Alors, il ne fait que 300 mètres carrés, donc on peut se dire que c'est petit pour faire tout ça, mais en fait, l'idée, c'est de le numériser. Hein. Donc, on travaille avec Valdoise Numérique là-dessus pour que ça soit à travers des systèmes de vidéoprojecteurs que l'on ait des expositions tournantes et pas tellement, ce n'est pas un musée qui va faire 3000 mètres carrés où on va se promener longuement à l'intérieur. Hein. C'est les images qui vont venir à nous et moins nous qui allons aller aux images, mais je crois que c'est un vrai patrimoine dans tous les sens du terme, lui-même et ce qu'on peut y montrer donc, dans ce pavillon Kennedy. J'essaie d'être exhaustif, ça va ? Quand vous dites fermé par un rideau de fer, c'est juste le pavillon, c'est pas le parc la nuit. Quand vous dites on va. À fermer avec des rideaux de fer ? Ouais, non, c'est que le pavillon. Ouais, okay. Mais encore que la question se posera, on va voir comment ça vit comme ça. L'idée au parc Kennedy, c'est de redonner des activités, de la vie, de mettre de l'agriculture, mais de mettre des activités sportives, des jeux pour les enfants, voilà, pour chasser les mauvais usages. Et si ça ne suffit pas, on pourra regarder à un moment donné la résidentialisation. Parce que vous le remarquerez, tous les parcs urbains, enfin tous les parcs qui se situent dans un espace urbain, vous allez à Paris, voilà, vous avez toute une série de parcs qui sont tous fermés la nuit, quoi. Sinon, dans l'urbanité, ça fait toujours des usages qui sont pas les bons. C'est déjà le cas au parc Kennedy, c'est pas dramatique, mais enfin c'est pas génial. Donc dans un premier temps, ce sera que les rideaux de fer sur le pavillon. Puis dans un deuxième, on verra s'il y a besoin de fermer. Il est déjà fermé à 80% par les bâtiments. Donc, il faudrait raccorder les bâtiments entre eux. Enfin, voilà, c'est un peu de travail, un peu d'argent. Ce n'est pas le plan de tout de suite, mais on le garde éventuellement si besoin. Ça va ? Non, j'avais juste une... Enfin, je ne sais pas pourquoi le hall Kennedy m'a fait penser à ça, parce que ce n'est pas très loin. Je n'ai pas vu de décision sur les polychromies cette année. Donc, il n'y en a pas ? Non. Bonne question. Je pensais qu'on l'avait annoncé, donc je le redis. Enfin, je le dis. Par rapport à l'équation budgétaire, si vous voulez, qui n'est pas simple cette année, tous les grands choix, toutes les grandes activités courantes, elles sont maintenues. En revanche, sur les polychromies, c'est un coût net pour la ville qui est important. Mais on ne renonce pas à cette idée-là. Ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on va peut-être... Hein, on y reviendra éventuellement, mais la dernière hypothèse sur laquelle on travaille... et on s'est mis d'accord entre élus, c'est que ça soit une biennale aussi, les polychromies, en alternance avec la biennale de la gravure. Hein, une année biennale de la gravure, une année polychromie, parce que budgétairement, c'est pas loin l'un de l'autre. Et dans les deux cas de figure, on essaie quand même d'aller chercher des mécènes. Donc j'ai réussi de haute lutte à obtenir 10 000 euros du conseil départemental. Ça n'a pas été simple, mais enfin, voilà. Donc ça, c'est... Et donc, ce sera une année sur les polychromies, une année sur la biennale, et de travailler sur du mécénat aussi, qui nous permette de faire diminuer l'équation. Et puis l'autre sujet, il est que c'est humainement aussi un travail très important, comme on ne délègue pas ça à un prestataire. Quelques fonctions qu'on délègue, mais enfin, globalement, il y a beaucoup de choses qui sont assurées par nos services en propre, y compris par l'élu en charge des cultures urbaines. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait prendre un petit coup de respiration avant de relancer ce festival, hein, des polychromies, et avec, pour tout dire, l'interrogation sur, étant donné que la place de France va être en travaux, là c'est la place de Navarre, vous avez vu que voilà, le toit est tombé, les travaux sur le sol de la place de Navarre vont commencer, ils seront suivis de travaux sur la place de France, et donc on ne pourra pas faire et des travaux et les polychromies, et donc on regarde si éventuellement, ça fait le lien justement avec votre question, voyez-vous, pour boucler la boucle, si on peut les faire, les polychromies, au parc Kennedy, où on est aussi dans l'urbanité dense, ça fait un peu le côté live à Central Park, vous voyez, au milieu des arbres et tout, ça peut être sympa, hein, comme formule. Donc on regarde ça, on veut que ça reste vraiment au cœur de la ville, la formule nous va bien, et le lieu, il se peut qu'il change, et en tout état de cause, à ce stade-là, on est sur une biennale, je sais pas, mais biennale des polychromies, ça sonne pas très bien, je trouve, hein, mais voilà, ce sera les...
les polybichromies, non, c'est pas terrible non plus. Bon, on va trouver le naming, mais en tout état de cause, c'est ça le plan. Voilà, monsieur Valentin, d'autres questions ? Oui, concernant la décision 135 qui concerne le marché d'études urbaines, on voit que dans la mission 2, il y a une forte augmentation des montants qui passe de 800 à 48 000 euros. Est-ce qu'on pourrait en connaître les raisons ? Laquelle vous avez dit là ? La 135. 135, et sur quelle partie ? La mission 2. Mission 2, société ABC, un montant de 48 000 euros au lieu des 800. C'est laquelle, celle-là, monsieur Ménard ? C'est sur la société ABC, c'est notre architecte conseil. Ouais. Voilà. Il y a toute une série de missions. Oui, c'est un avenant. Mais effectivement, on n'a pas le détail là de pourquoi sur la mission 2, il y a 48 000 euros et pas 800. Vous avez trouvé la réponse pendant le conseil, monsieur Ménard ? Hein ? Vous allez avoir un coup de fil à un ami. Et comme ça, on vous donne la réponse avant la fin du conseil. On travaille très bien avec eux depuis plusieurs années. Ils nous ont aidés notamment sur l'ANRU, mais sur tous les grands projets pour en travailler la qualité urbanistique, l'insertion dans le projet de ville. Et Laura, tu as la réponse, non ? En partie. Allez, tu as la moitié de la réponse. Peut-être que tu as la réponse sur pas 48 000, mais sur 24, c'est ça ? Alors, en partie, effectivement, donc le bureau d'études ABC a beaucoup travaillé et nous a accompagnés pour les études urbaines dans le cadre du NPNRU, puisqu'il a fallu établir des études plus approfondies. Là, il est question d'études plus globales sur la ville pour, effectivement, définir des secteurs à urbaniser. Et aussi nous accompagner sur l'avenant de redéfinition du CDT, du contrat de développement territorial. Travailler sur l'ANRU alors qu'on devait travailler sur l'ensemble de la ville. Et là ? Pour compenser et pouvoir travailler comme on l'avait prévu à l'origine sur toute la ville, on met un avenant qui permet de compenser les choses. Donc. Écoutez, vous nous faites passer un petit message avec les informations vraiment précises, puisqu'on travaille avec nous sur l'ANRU, comme on le disait, et sur le projet de ville plus généralement, notamment sur le contrat de développement territorial qui est en cours de rediscussion, puisque là, dans le cadre du SDRIF, il y a un besoin, mais j'étais encore à l'Élysée cet après-midi, il y a un besoin de construire dans ce pays qui fait que des communes comme les nôtres sont identifiées comme des zones de polarité dans lesquelles il serait logique, hein, eu égard aux besoins nationaux et régionaux, qu'on absorbe une partie de ces logements supplémentaires. Et donc, c'est là-dessus aussi qu'ils vont nous éclairer. Donc, si vous avez des éléments plus précis, vous nous les passez. Et alors, je le dis parce que l'idée, pour savoir, on a longuement débattu là-dessus, hein, l'idée, c'est pas de construire n'importe quoi, n'importe comment, de raser des pavillons pour faire du collectif quand il n'y a pas de besoin particulier, en tout cas quand ça ne s'insère pas bien. Mais l'idée, c'est déjà d'absorber les constructions existantes et de réfléchir de façon prospective, de façon à ne pas se retrouver comme ça avec des immeubles qui poussent sans qu'on en ait mesuré les tenants et les aboutissants auparavant. Mais c'est vrai que certaines zones, type la pointe 3 quarts sur laquelle les choses avancent, on voit bien qu'il y a des besoins d'urbanisation tout en gardant beaucoup d'espace vert, pour remplacer des friches. Il y a des friches, hein, qui ressemblent à rien et qui seraient quand même plus utiles à tout le monde. Il y a de l'habitat insalubre, donc faire de l'habitat digne là où il y a de l'habitat indigne, c'est quand même plutôt une bonne façon de raisonner. Et ne serait-ce qu'au titre du PLU, il y a des possibilités d'urbaniser, par exemple, le Haut du Roi, donc une partie en tout cas. Donc on continue de réfléchir, c'est une espèce de réflexion continue sur comment on modernise, on urbanise, mais à bon escient, on absorbe de la population parce qu'il y a besoin de le faire à l'échelle régionale en particulier, mais en le faisant progressivement, de façon pensée, et en allant dans des friches là où c'est pas encore assez, là où vraiment ça a un vrai besoin d'aménagement, et non pas en surdensifiant des secteurs qui sont déjà denses ou en dénaturant des zones pavillonnaires. Donc, ABC nous conseille sur tout ça. Cette mission 2 doit probablement correspondre à cette partie, mais je veux bien que vous avoir des...
Ouais, mais vous mais qu'on lance là, ils ont pas tout rendu encore, n'est-ce pas? Ok. Et sur l'avenue du Parisis, voilà. Donc c'est ce que je disais. Et sur l'avenue du Parisis, puisqu'elle est aussi, on a émis un avis réservé hein, sur cette avenue, étant donné qu'il y a quand même toute une série de bouleversements qu'elle entraînerait, et il apparaît assez peu opportun que la population le souhaite. Et donc pour toutes ces raisons, on a besoin d'être accompagné par ABC. Voilà, donc cette fois, on a toutes les explications. Si vous en avez d'autres, vous me le dites, monsieur Ménard, mais autrement, on en a quelques-unes. D'autres questions? J'avais une dernière question sur la 103, sur les titres d'identité et de voyage. Donc ça correspond bien au passeport et aux cartes d'identité. Il y a un vrai, comment dire, il y a un vrai besoin à ce niveau-là chez les habitants. Il y a une vraie pression aussi auprès des services qui sont comment dire sous tension. Donc qu'est-ce que c'est, enfin ce dispositif, est-ce qu'il a vu qu'il est terminé maintenant puisque c'était du 1er mai au 30 juin, est-ce qu'il a permis un peu d'absorber tout ça et qu'est-ce que vous pouvez faire pour fluidifier cet aspect? Ah ben là c'est ce qui est fait ici hein, les 4000 euros, ils servent à. On a donc un financement supplémentaire de la préfecture pour, en l'échange hein, de 20% de demandes et de demandes traitées hein, en plus. Hein. Et donc, ça nous fait. C'est le coût. Ça compense le coût, encore, je ne suis même pas sûr que ça le compense entièrement, d'heures supplémentaires, d'agents qu'on mobilise en dehors de leurs heures. Éventuellement de vacataires, mais enfin, vu que c'est un peu technique, c'est plutôt des heures supplémentaires des agents qui sont déjà là pour pouvoir justement fluidifier à hauteur de 20%. Donc il y a 20% de titres en plus que l'on peut réaliser, hein, passeport, carte d'identité, grâce à cela. Après, moi, je reçois des demandes, comme beaucoup d'élus, non seulement de Sarcellois, mais de gens qui habitent dans d'autres villes. Parce qu'en fait, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Le problème, c'est que les gens s'y prennent toujours très tard pour partir, enfin avant de partir en vacances. Et donc, ça crée des goulots d'étranglement dans toutes les villes à l'approche des congés estivaux, alors que si on s'y prend à l'avance, il n'y a aucune difficulté. Si vous prévoyez 2 mois, vous n'avez pas de difficulté particulière. Si vous voulez votre carte d'identité en 3 semaines, là, ça se complique un peu. Donc, les 20% en plus nous permettent de fluidifier partiellement, au moins pour cet été. Et donc, c'est une politique départementale hein, sur laquelle le préfet nous a fait une proposition que l'on a acceptée, même si on n'est pas sûr de s'y retrouver complètement. On s'est dit quand même que c'était un service à apporter à la population, même si elle n'était pas toujours très prévoyante en termes de délai pour refaire ses titres d'identité avant de partir en vacances. Ça va? On est bon? Ben écoutez, merci pour ces premiers échanges. C'était le point 1-1, et nous allons pouvoir passer au point 2-1, n'est-ce pas? C'est la direction des finances. C'est monsieur Simakala qui rapporte. Vas-y, mon cher Christian. Merci, monsieur le maire. Donc, le point 2.1, il s'agit d'une demande de garantie d'emprunt émise par la société Logirep pour l'opération de réhabilitation thermique de 110 logements PLS situés à 1 à 12 rue Louis-Lebrun à Sarcelles. Et donc ce prêt d'un montant maximum de 1 750 000 euros, qui est un prêt pour lequel il demande une garantie à hauteur de 100%, et en contrepartie de cette garantie, 20% des logements seront réservés au contingent de la ville de Sarcelles, soit 22 logements. Donc il s'agit tout simplement de mettre cela au vote. Bien, merci M. Simakala. Des questions là-dessus? Ça va? Réhablu-Lebrun, on l'a inauguré cette semaine, c'est de qualité. Il y a toujours quelques sujets à régler encore avec certains locataires, mais enfin globalement c'est plutôt réussi. Je mets ça au vote, c'est la 2-1. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. Monsieur Simakala, toujours sur la 2-2, c'est une admission en non-valeur de créances irrécouvrables et éteintes. Donc, merci, monsieur le maire, encore une fois de plus. Donc, nous avons pour habitude de faire cela. Donc, une admission en non-valeur de créances irrécouvrables et éteintes. Il y a une créance irrécouvrable qui s'élève à 87 472 euros et une créance éteinte de 1823
euros. Donc, bien entendu, il s'agit des personnes qui n'arrivent pas, qu'on n'arrive pas à recouvrer au niveau de leur dette. Donc voilà, il s'agit de mettre cela tout simplement au vote. Pas de souci, on y va. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, unanimité, je vous remercie. La 2-3-1, c'est un joli fourgon Ford que nous avions et malheureusement, il arrive en fin de vie, n'est-ce pas? Voilà, c'est bien ça, monsieur le maire. Donc, un fourgon Ford immatriculé GG957 qui a tout simplement été amorti. Et donc, il s'agit tout simplement de le sortir de l'inventaire. Voilà, on dit au revoir à GG collectivement. C'est la 2-3. Est-ce qu'il est des contre? Des abstentions, pardon. C'était une longue semaine. Enfin, c'est le long week-end et semaine précédente. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et Christian Simakala va changer de casquette, mais continuer de rapporter sur les ressources humaines. C'est la 3-1. C'est la mise à disposition de la DGA Solidarité, mise à disposition de la ville à raison de 80% d'un temps plein auprès du CCAS. Alors expliquez-nous tout, Monsieur Simakala. Alors, merci, Monsieur le maire. Donc, en effet, il s'agit de la mise à disposition de la directrice générale adjointe des services Solidarité de la ville à raison de 80% d'un temps plein auprès du Centre communal d'action sociale. Déjà, je tiens à saluer l'ensemble des équipes puisque... ça y est, nous avons l'ensemble de nos DGA et donc ça c'est vraiment une très bonne chose, on peut mieux travailler, mieux fonctionner et donc il est proposé tout simplement dans une démarche d'optimisation des ressources de mettre à disposition la DGAS Solidarité auprès du CSAS à raison de 80% d'un temps plein et 20% restant destiné à être tout simplement au service de la direction générale et des élus municipaux. Donc voilà, tout ça dans le cadre d'une pour pouvoir faciliter l'organisation de l'ensemble des services. Et donc il convient ce soir de valider cela tout simplement. Bien, merci Monsieur Simakala. Des questions? Oui, Monsieur Valentin. Non, ma question, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, j'ai pas d'opposition de principe. Donc, il n'y aura pas de nouveau directeur du CCAS, puisque c'est elle qui prend ce poste, si je comprends bien. Donc. En fait, on a à la fois fait en sorte que le périmètre du CCAS et le périmètre de la direction générale adjointe en charge des solidarités se correspondent. Puisque Mme Huchet, qui siège au CCAS, on a pu en discuter, puisque dans le conseil d'administration, il y a aussi des membres de l'opposition. Donc, l'idée, c'était d'éviter de créer des doublons qui parfois peuvent créer, enfin à la fois des doublons, c'est pas utile hein, par définition, mais ça, c'est même pire que ça, ça a pu créer par le passé des conflits de légitimité entre des personnes qui avaient des périmètres de délégation extrêmement proches. Donc on a souhaité, hein, je pense au contrôle de Mme Rabhi, la vice-présidente du CCAS, qui a pris ça par cœur maintenant, et que je remercie parce qu'elle elle s'est un peu substituée en vacances, hein, enfin en l'absence hein, de directrice et du CCAS et de DGA, a fait une partie importante du travail avec d'autres, mais je voulais la remercier en particulier, et qu'on a donc décidé de les périmètres soient les mêmes, notamment en mettant le secteur de la santé à l'intérieur du CCAS, comme ça nous fait un centre communal d'action sociale, mais qui est également compétent sur les questions sur les questions de santé, sur les questions sanitaires, dans ce que l'on fait nous, c'est-à-dire de la prévention, le contrat local de santé, l'hygiène bucco-dentaire que l'on a dans les écoles en particulier, puis plus généralement le travail d'animation, de prévention, Octobre Rose, etc. On le met dans le CCAS, ça nous permet d'avoir, enfin c'est des champs qui sont assez contigus. Quand on avait fait une analyse des besoins sociaux, on avait bien vu à quel point les besoins étaient proches et que donc il était pertinent que ça soit géré, organisé, piloté par le même service. Et là, l'idée, c'est qu'en termes de managériaux également, ça soit la même personne. Donc, c'est bien ça, le montage. Alors, pourquoi 80%? Parce qu'on considère que les gens, c'est valable sur l'ensemble de la direction générale, sont évidemment focalisés sur leur département, mais ils sont aussi au service de la collectivité dans son ensemble et qu'on construit
ensemble une intelligence collective, de la transversalité. Et donc, il y a tout un travail qui n'est pas uniquement cantonné à sa propre direction. Il l'est à 80%, mais sur les 20 autres %, on se coordonne avec ses collègues, on participe à la dynamique collective, on fait des propositions. Et j'en profite, puisque effectivement tu me tends la perche, mon cher Christian, pour dire que c'est d'autant plus facile et pertinent de le faire que nous avons notre équipe au complet, hein, de directeurs et directrices générales adjointes. Donc la personne concernée ici, c'est Madame Laurence Brihu, qui est derrière moi, c'est ça ? Voilà, elle est là. Très bien. Et puis Madame Guergier, pas loin. Voilà, donc c'est la DGA Solidarité, c'est Madame Brihu. Et puis la DGA Éducation Culture, qui a également le département jeunesse qu'on a mis à l'éducation, c'est Madame Valérie Birgi, qui est à ma gauche, derrière moi. Et donc on a bien notre équipe au complet. Et j'excuse momentanément le DGS, hein, qui avait une obligation personnelle en fin d'après-midi et qui nous rejoint dans quelques instants. Voilà, est-ce qu'on était clair là-dessus ? Ça va ? Très bien. Je mets ça au vote et je leur souhaite évidemment la bienvenue à nos deux nouvelles DGA en conseil municipal, comme il se doit de le faire et comme nous l'avions fait précédemment. Si j'ai oublié quelqu'un, c'est notre nouvelle DRH. Parce qu'elle est discrète, en fait. Elle enregistre tout à ce stade-là. Elle ne parle pas beaucoup pour l'instant, Maya, mais elle enregistre tout. Donc, c'est notre nouvelle directrice des ressources humaines, Maya Sebaoun, ici, présente. Et comme ça, on a nos DGA au complet et puis nos postes de direction de service, et DRH est évidemment un poste très stratégique, technique, parfois exposé, et on va évidemment l'accompagner dans cette mission. Cette fois, je crois que j'ai été complet. Ça va ? Allez, on met ça au vote. C'est la délibération. Donc, on était sur la 3-1. Est-ce qu'il y a des contres, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie et je repasse la parole à Monsieur Simakalin pour la 3-2. C'est l'organisation du temps de travail au sein de la ville de Sarcelles. La confirmation des 1607 heures. Voilà, tout à fait, monsieur le maire. Donc, la confirmation des 1607 heures, donc vous avez pu entendre depuis le 3 janvier 2001, donc il y a une loi qui oblige l'ensemble des collectivités à passer aux 1607 heures, donc soit aux 35 heures. Et Sarcelles fait encore partie des villes du Val d'Oise qui n'a pas encore passé ce cap, hein, officiellement. Et donc, nous avons eu plusieurs échanges, notamment avec les organisations syndicales à travers deux comités social territorial pour pouvoir mettre cela en application. Alors, pour cela, bien entendu, on a favorisé la concertation avec l'ensemble des agents de la ville à travers la mise en place d'un questionnaire leur permettant de faire un choix, donc avec, vous avez pu voir dans le rapport, plusieurs propositions qui leur ont été faites. Et par rapport à cela, dans un premier temps, ce qu'il en ressort de cette participation, c'est qu'il y a à peu près 749 personnes qui ont répondu à ce questionnaire, ce qui correspond à peu près à 42% de personnes de retour. Et par rapport à cela, la première proposition était de passer aux 39 heures. 39 heures, ce qui permettait tout simplement aux agents d'avoir 25 jours de congé annuel, 23 jours d'RTT et soit 48 jours de congé au lieu de 45 jours qu'ils ont actuellement. Donc, ils avaient la possibilité d'avoir 3 jours de congé supplémentaires. Cependant, à notre grande surprise, lors du premier CST, la majorité des organisations syndicales ont refusé cette première proposition que nous avons mise au vote, et nous avons dû faire un deuxième CST où nous avons fait le choix et proposé tout simplement de conserver ce que nous faisons actuellement, à savoir 38h10 hebdomadaire, ce qui correspond à 25 jours de congé annuel, 19 jours d'RTT et soit 44 jours de congé au lieu de 45 jours actuels. Donc c'est ce que nous voulons vous proposer de mettre au vote ce soir. Merci, monsieur Simakalin. Monsieur Alvarez.
monsieur le maire, chers collègues. Donc cette délibération sur le temps de travail répond surtout à une exigence préfectorale qui traduit une injonction gouvernementale datant de 2019 pour la mise en application stricte d'une loi sur les 1607 heures qui date de 2001. Du temps donc du premier mandat de M. Macron en tant que président de la République, qui a mis une fois de plus en cause la libre administration communale pourtant inscrite dans la Constitution. Sous prétexte de régulation, cela témoigne d'une volonté farouche de s'attaquer à cette fonction publique dont pourtant tout le monde reconnaît en temps de crise l'intérêt essentiel pour le fonctionnement même de la société. En cas de crise, et nous y sommes, qui est en première ligne ? Les soignants, les pompiers, les éboueurs, les enseignants, la police et les fonctionnaires territoriaux sans lesquels aucune coordination, aucun suivi de terrain ne serait possible. La municipalité de la ville de Sarcelles a pris tout le temps, comme vient de le dire M. Simakala, a pris tout le temps qui lui était nécessaire pour la mise en œuvre de cette mesure et a tenté de trouver avec le personnel et les organisations syndicales un accord le moins pénalisant possible pour tous. Mais pas satisfait du résultat, le préfet du Val-d'Oise est revenu à la charge pour un simple jour de congé de trop dans l'année. Une simple mesure de compensation pour des salaires bien trop faibles. Une nouvelle négociation a donc dû être menée et de nouvelles propositions ont été faites. Aucune de ces propositions n'a été validée ni par une majorité de salariés, ni par les organisations syndicales. La proposition arrivant en tête ne recueille le soutien que de 30% des agents. Et nous partageons ce ressenti, car quelle que soit la qualité des propositions formulées, c'est un pas en arrière que le gouvernement demande une fois de plus à l'ensemble de la société. Ainsi donc, ce sont toutes les mesures compensatoires qui avaient été attribuées par la municipalité depuis les années 80 et même avant, qui, au fil du temps, que l'on a été obligé de retirer à la demande de ce gouvernement. Les fonctionnaires vont continuer à avoir comme seule perspective salariale des rattrapages du SMIC à minima et les primes que la ville de Sarcelles ne pourra honorer qu'à condition que l'État verse aux communes les mesures compensatoires indispensables. Et ce ne sont pas seulement les fonctionnaires qui trinquent amèrement, ce sont dans leur ensemble tous nos citoyens qui subissent le même train de mesures. Car dans leur vie quotidienne, les Sarcellois, fonctionnaires ou non, subissent de plein fouet les mêmes difficultés que tous les Français. Il va falloir beaucoup de courage, beaucoup de motivation, un grand sens de l'intérêt général et un dévouement sans faille aux agents pour mettre en œuvre leur mission au service des Sarcellois. Nous savons qu'ils n'en manquent pas, car ils nous le prouvent chaque jour. Nous sommes persuadés qu'ils le feront par conscience et par obligation, mais nous ne pouvons valider ainsi cette délibération quand nous regardons autour de nous comment plus généralement sont dilapidées les ressources de notre société et que ce soit encore et toujours aux plus démunis, aux plus essentiels, de passer à la caisse. D'autres alternatives sont possibles et indispensables à mettre en œuvre en faveur des communes, des agents de la fonction publique et des citoyens. Les élus communistes et citoyens engagés de notre groupe s'abstiendront donc sur cette délibération. Bien, merci. Monsieur Alvarez, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Monsieur Valentin, allez-y. Alors, plus que des questions, c'est à la fois de la surprise et de relever des incohérences. Parce que j'en vois au moins, j'en avais vu deux. Et avec le discours que je viens d'entendre, j'en vois une troisième. Parce que si je me souviens bien, monsieur Alvarez, on avait déjà eu une délibération là-dessus. Et je crois que vous aviez voté la délibération à l'époque. Monsieur Valentin, c'est moi qui répartis la parole ici, donc vous intervenez. Oui, j'interviens, donc je la donnerai à qui la demande. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ma première incohérence, je la vois de la part de monsieur Alvarez, mais à la limite, c'est pas le cœur de mon propos. En tout cas, je note qu'il y a eu une évolution de la position. Le cœur de mon propos, c'est de dire que finalement, qu'est-ce qu'on note dans cette délibération pour
être très, très simple et très concret. Les agents de la ville de Sarcelles avaient 45 jours de congé, ils n'en auront plus que 44. Donc, ils vont perdre un jour de congé. Normalement, la logique aurait été de récompenser ou de compenser cette perte et cet effort, puisqu'ils vont donc travailler plus, par un gain autre, financier, ou avec un peu d'imagination, on aurait pu, vous auriez pu, par exemple, créer, je ne sais pas, une prime de vacances, des tickets restaurants, quelque chose qui aurait compensé cette perte. Et donc, vous auriez récompensé l'effort. Parce que moi, je ne suis pas contre le fait de travailler plus, mais je suis contre le fait de travailler plus pour gagner moins. Ce qui se passe, parce que là, on va travailler plus à salaire équivalent. D'accord ? Donc, vous aviez la possibilité, je pense, d'accepter et de mettre en place cette mesure. Si, si, mais moi, je pense qu'avec un peu d'imagination, c'était possible. Et de donner en compensation un signal financier à ces agents qui font un effort. Donc voilà, la première incohérence pour moi, c'est que vous ne récompensez pas l'effort. La deuxième incohérence, et là elle est presque de gouvernance, je dirais presque démocratique, c'est que vous nous dites, d'après ce que je comprends, nous avons voulu faire quelque chose d'un petit peu participatif en interrogeant les agents. Donc déjà, on a 749 personnes qui répondent. Donc alors sur la campagne de communication, on ne va pas revenir dessus. Je ne sais pas comment ça a été fait, mais je pense que ça aurait pu être une participation un peu plus importante. Mais passons. Et c'est la majorité des votants s'exprime assez clairement pour une solution. Pourtant, vous leur dites, en fin de compte, vous êtes exprimé. Bon, bah écoutez, merci de votre avis qui est purement consultatif parce que ce n'est pas la solution qu'on va retenir. Donc, en quelque sorte, vos agents, vous rompez un petit peu le lien de confiance avec eux parce que vous leur dites, vous avez demandé quelque chose, mais ce que vous m'avez demandé, bah, je vais faire l'inverse. Je caricature. Donc, je comprends pas. Enfin, je trouve que c'est quand même des sujets assez importants pour qu'on fasse les choses de manière cohérente. Et je pense que les agents qui sont les premiers concernés, doivent être un petit peu déstabilisés au-delà du fond et de la perte du jour de congé, mais surtout sur la forme, parce qu'ils subissent des retournements de situation incessants depuis. Vous dites que vous avez pris le temps, mais ça fait presque un an que la situation traîne sur le sujet. Et donc, ils ne savent pas trop où vous voulez en venir. Donc, voilà, je suis un petit peu déçu. Moi, je vais m'abstenir sur ce sujet, puisque, comme je l'ai dit, je suis pour que l'effort soit récompensé, et je trouve que celui-ci particulièrement aurait pu l'être. Bien. Je vous donne quelques éléments de réponse. Donc, d'abord, M. Alvarez l'a dit, et donc je le répète, cette obligation d'appliquer strictement les 1607 heures qui ne sont que la correspondance en heures annuelles des 35 heures hebdomadaires. Cette obligation a été demandée, exigée par la loi, par le gouvernement. M. Alvarez l'a dit rapidement, je crois, mais je me permets de le rappeler, par le gouvernement que vous soutenez, M. Valentin. Donc ça vient de là, voilà. Mais c'est important quand même de savoir d'où vient cette injonction. Donc elle ne vient pas des partis de gauche auxquels la majorité appartient. Elle vient du gouvernement actuel qui a exigé, mais pourquoi pas, enfin moi je pense que ce n'était pas ça la priorité, mais il le fait. Et à partir de là, nous on a essayé d'entrer dans un processus de discussion pour faire en sorte que les choses ne s'appliquent pas de façon trop rapide, trop brutale. On a pris un temps de discussion avec les syndicats dans un premier temps, qui a abouti à la première mouture que nous avons votée en conseil municipal et qui nous paraissait remplir la commande. Il se trouve qu'à un jour près, elle ne la remplissait pas, que donc il fallait remettre l'ouvrage sur le métier. On a souhaité le faire en collaboration avec les syndicats, en prenant le temps, là encore, de la discussion. Ça n'a pas spécialement plu aux autorités préfectorales parce que ça a été dit rapidement, mais nous sommes la dernière ville à y passer, de tout le Val d'Oise. Donc on a fait un peu de résistance pour montrer qu'on voulait que ça se fasse en lien avec les organisations syndicales. On voulait montrer également que, vu la difficulté
du dialogue social dans ce pays tout au cours de l'hiver dernier, parce qu'on a presque oublié ça, enfin c'était quand même il y a un mois, avec la réforme des retraites. Moi, de mémoire, j'ai jamais vu un dialogue social aussi méprisé dans ce pays, quelque chose de totalement invraisemblable, qui a participé, hein, je le dis très clairement, qui a participé à pourrir l'ambiance générale dans ce pays. Ça a mis un grand coup au moral des gens, des salariés, et les gens ne sont pas divisés entre les salariés, les jeunes, les retraités, les moyens. Soit il y a un projet dans ce pays auquel tout le monde adhère, soit les gens se font taper sur la tête tous les jours. Et je pense que dans l'option dans laquelle, enfin dans la situation dans laquelle les gens se font taper sur la tête tous les jours, on leur explique que finalement ils n'ont pas voix au chapitre, que le gouvernement a une majorité relative, donc est minoritaire au Parlement, peu importe ses passages en force sur toutes les lois possibles et imaginables, et que les corps intermédiaires ne sont pas consultés. Tout ça, ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas la nôtre, c'est celle du gouvernement que vous soutenez. Il faut quand même dire chacun de quel point de vue il parle. Sauf qu'après, on est bien obligé d'appliquer la loi, donc on a souhaité prendre le temps de le faire en bonne intelligence avec les syndicats. Certaines choses ont pu bien se dérouler dans la discussion. Malheureusement, cette consultation, moi je la trouvais bien, elle a été demandée par les organisations syndicales elles-mêmes et est mise en place par l'administration parce que les organisations syndicales ne se sont pas senties de la mettre en œuvre elles-mêmes. Donc l'administration a fait dans un temps assez rapide et ça a donné un résultat. Alors moi qui me paraissait à la fois assez significatif parce que 749 personnes, c'est pas rien, mais qui m'interrogeait quand même un peu parce que si vous voulez, c'était revenir aux 39 heures et tout convertir en RTT. Et c'est vrai que l'objet des 35 heures, ce n'était pas des 39 heures et avec des jours de RTT. C'est une façon de les appliquer, mais qui n'est pas la façon la plus, je dirais, la plus conforme à l'esprit de la loi. Mais pourquoi pas ? Simplement, moi, ce que j'avais dit aux syndicats, puisqu'on a eu le temps d'en discuter longuement avec eux en CST, c'est que tout ça était possible à partir du moment où on construisait ensemble l'organisation du travail et l'organisation du temps de travail qui va avec. C'est-à-dire que quand vous passez de la situation actuelle qui est de 38h10 à, c'est ça, 38h10, hein, à 39h, ça veut dire qu'il faut revoir tous les horaires possibles et imaginables de toute la ville. Et qu'il faut modifier également les congés de tout le monde, hein, c'est à la fois le temps hebdomadaire et c'est les congés. Et que ça a forcément un impact sur les services publics, hein, qu'il faut minimiser, voire qu'il faut optimiser. Et un point important aussi, c'est que ça ne doit pas générer, malgré le fait que ça générait 3 jours de congés supplémentaires, ne pas générer de masse salariale supplémentaire, parce qu'autrement, ce qu'on mettait dans la masse salariale en plus n'aurait pas pu être mis ailleurs, y compris dans les demandes salariales des salariés eux-mêmes. Voyez-vous ? Donc, pour moi, c'était possible, mais enfin, ça demandait un travail qui était considérable. Et il se trouve que cette proposition, c'est ce qu'a dit M. Simakala rapidement, des 39 heures avec 3 jours de congé en plus, a été rejetée unanimement par les syndicats. Donc à partir du moment où les organisations syndicales refusent unanimement cette proposition, on ne va pas nous insister pour la passer de façon autoritaire, en sachant que son application exige un dialogue extrêmement collaboratif avec les organisations syndicales, qui nous disent, nous, on ne veut pas de toute façon. Donc à partir du moment où ça ne s'est pas fait, tant pis, eh bien, l'administration prend ses responsabilités et souhaite faire en sorte que ça soit le plus simple possible à mettre en place. Ça ne bouleverse pas les horaires, ça ne change pas les horaires d'ouverture, le service public, tout ça reste exactement au même niveau qu'aujourd'hui, ce qui, je pense, est rassurant quand même pour beaucoup de gens, qu'il y a effectivement un jour en moins, puisqu'il y avait 2 jours de congé en plus et 1 jour d'ARTT manquant. Donc quand on fait la balance à la fin, il y a 1 jour d'ARTT, enfin il y a 1 jour qu'il fallait retirer, donc effectivement on passe de 45 à 44 jours, ce qui n'est pas nul non plus, hein. Je veux dire, voilà, regardez comment ça se passe sur le marché du travail, avoir travaillé 38h10 et avoir 44 jours, voilà, ce n'est pas non plus les conditions les pires. Il faut continuer de travailler ensemble sur les conditions de travail, sur le management, c'est ce qu'on s'est dit. Sur également au sein de la collectivité, sur le plan de déprécarisation, qui pour moi est un vrai souci. On a fait passer beaucoup l'année dernière, une 50aine de personnes qu'on déprécarise chaque année. Donc on le fait aussi cette année, faire en sorte que des gens qui ont des contrats courts puissent passer sur des contrats plus longs, de CDD en CDI, de CDD en stagiarisation et titularisation. Voilà, chaque année, c'est 50 personnes parce que c'est vraiment problématique d'être précarisé comme ça. J'ajoute quand même qu'on a profité pour vérifier toute une série de droits, notamment
en termes de jours de congé. Et on a regardé les jours de congé pour motifs religieux qui n'étaient pas bien appliqués dans cette collectivité où, en fait, ils étaient décomptés des jours de congé payés. Quand vous posez un jour, alors non pas pour les fêtes chrétiennes qui sont intégrées au calendrier grégorien, mais pour les fêtes d'autres religions, en particulier musulmanes et juives, même si le législateur a aussi pensé aux bouddhistes, parce qu'il y a une liste précise de jours que les gens peuvent prendre. Et en fait, dans la limite de 2 par an, ils peuvent les prendre en ASA, en autorisation spéciale d'absence, et non pas en congé payé. Ce qui veut dire que pour tous ceux, toutes celles et ceux qui ont l'habitude de s'absenter pendant les fêtes religieuses, eh bien, ils vont pouvoir récupérer 2 jours, puisqu'ils n'auront plus à les poser comme congé payé. D'accord ? Donc voilà, il y a quand même ça qui est venu. Ce n'est pas une compensation proprement parlée, parce que ça n'est que l'application du droit, mais le droit était mal appliqué. Donc quand il est mal appliqué dans un sens, il faut le corriger. Quand il est mal appliqué dans l'autre sens, il faut le corriger aussi. Et donc l'un dans l'autre, ça fait, me semble-t-il, une différence qui est marginale. Après, je ne fais pas long parce qu'il y a plein d'autres sujets, mais il y a encore un sujet, et vous l'avez abordé rapidement, Monsieur Valentin, sur lequel on s'est engagé à travailler avec les organisations syndicales. Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est celui de la restauration collective, où effectivement, au-delà du plan de déprécarisation qui est notre priorité, je pense que faciliter, cofinancer pour les gens la prise de repas pendant le temps de travail, pendant la pause déjeuner, est apparu comme prioritaire. Et donc, on a commencé à élaborer des solutions par rapport à cela. Et elles seront débattues avec les organisations syndicales à la rentrée. Et on a quelques pistes de travail qui permettront, si tout se passe bien, d'avoir un service équivalent à celui d'un restaurant. Ce serait un restaurant inter-entreprise, hein, pas que celui de la ville. Mais les salariés de la ville pourraient y manger, à tarif réduit évidemment, et d'autres salariés d'autres entreprises de la ville pourraient aussi y manger. Donc on est en train de travailler sur une solution comme celle-là, et on va aussi la mettre en discussion avec les salariés, de façon à ce qu'effectivement, il y ait non pas simplement l'application stricte du droit, même s'il faut le faire, mais qu'il y ait progressivement des avantages sociaux nouveaux, mais indispensables, qui soient accordés aux salariés. Ça va, Manuel, tu veux rajouter un truc? Oui. Un petit mot, mais juste très, très court, parce qu'il y a effectivement bien d'autres sujets derrière. D'abord, quand même, satisfaction du fait que la majorité ait entendu ce débat avec les salariés, avec les organisations syndicales, et que la proposition qui est faite prend en compte ce débat et permet ainsi d'ouvrir un dialogue pour permettre de poursuivre sur tous les autres sujets que l'on doit traiter. Donc c'est plutôt une bonne chose, même si dans cette consultation, dans tous les éléments, c'était un travail un petit peu compliqué, puisqu'il s'agissait de mettre en œuvre une décision qui n'est pas une décision municipale et qui va à l'encontre de l'intérêt des personnes, des salariés, compte tenu des conséquences sur le plan économique, sur le plan salarial de cette organisation dans la fonction publique. Je vous rappelle juste que aujourd'hui, un agent de catégorie C, il doit attendre 12 années pour avoir une augmentation de 2 points d'indice, c'est-à-dire 9 euros. 9 euros d'augmentation au bout de 12 ans. Voilà, donc ça, c'est quand même un élément à prendre en compte. Et puis un élément qui a joué dans l'évolution, effectivement, de notre position, c'est, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais il y a eu quand même un certain mouvement dernièrement sur la question de la retraite. Et lorsque un gouvernement impose au 49-3 2 années de travail supplémentaires à l'ensemble des salariés de ce pays, et qu'en plus, il vient chercher un jour de congé aux salariés qui sont considérés aujourd'hui comme des travailleurs essentiels et que l'on appelle quand il y a le feu, je trouve qu'il y a un côté un peu hors sol de ces propositions-là et qu'il serait temps que ces technocrates viennent sur le terrain pour regarder un petit peu comment les choses se passent, comment les gens vivent. Bien, merci Monsieur Alvarez. Sur cette conclusion, je vais pouvoir mettre cette proposition de cette délibération au vote. C'était la 3-2. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions, il y en a quelques-unes, n'est-ce pas ? Voilà, le reste est pour,
Et d'après le calcul savant que je viens de faire, elle est adoptée. Excuse-moi, Patrick, parce que j'arrêtais pas de... Ah, excuse-moi, non, t'arrêtes pas de lever la main. Ouais, j'arrête pas de lever, mais c'est un peu trop tard. Tu l'as pas levé assez haute, je crois. Alors ouais, vas-y, pardonne-nous, mais du coup, on a quand même déjà voté, hein, mais c'est pas grave, vas-y. Je me permets de reprendre après le vote, parce que je m'abstiens, mais je m'abstiens dans le sens de la déclaration qu'a fait Manuel. Je m'abstiens dans ce sens-là. J'avais voté pour aussi la première fois, parce qu'il y avait... Bon, tout a été dit. Juste dire que donc je m'abstiens pas parce que, par contradiction, mais aussi parce que la démocratie sociale est importante dans notre pays et qu'il est bien de respecter le cheminement de la démocratie sociale, donc de respecter les syndicats. Tout a été dit, vous l'avez dit aussi bien Patrick que Manu, et que effectivement ce gouvernement nous impose cette délibération. C'est quand même assez horrible de demander à des villes progressistes d'être obligé de régresser, alors qu'ils savent qu'au fond, fondamentalement, ce qu'ils font, c'est pas dans l'intérêt, mais s'ils ne le faisaient pas, ils se prennent des pénalités financières, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que le préfet mettrait des pénalités sur un budget de la ville, comme de la ville de Sarcelles. À la ville de Trappe, Ali Rabé a essayé de faire la même chose, il a proposé une alternative, et le préfet a cassé la délibération, il a porté OTA, ils ont perdu, son conseil d'État. Donc voilà, donc il y a une force terrible de ce gouvernement, voilà, je ne vais pas revenir sur ce qui se passe ces temps-ci, qui est de casser, de taper sur les gens et de dire on est les plus forts. Donc voilà pourquoi je m'abstiens, parce que des fois il faut savoir, mais aussi on peut que remercier la municipalité, la majorité, d'avoir fait ce qu'elle a fait, c'est-à-dire travailler avec les syndicats, faire un sondage, essayer de faire en sorte que la démocratie sociale puisse s'exprimer. Voilà pourquoi je m'abstiens. Merci. Pas de souci. Merci pour cette explication de vote. Monsieur Abchiche, on passe à la 3-3. Monsieur Simakala, c'est la mise à jour du tableau des emplois communaux. Merci, monsieur le maire. Donc, dans la poursuite du projet d'administration, il a été vu une réorganisation de quelques services, notamment la réorganisation de la direction de l'urbanisme. Quoi, j'ai dit service, mais de direction plutôt. La réorganisation de la direction de l'urbanisme, la réorganisation de la direction de la commande publique, la direction des services à la population et la direction de l'enfance. Donc voilà, pour cela, il a fallu mettre à jour le tableau des emplois communaux. C'est ce que nous avons présenté et que nous mettons au vote. Bien, des questions là-dessus? Ça va? Alors, on va mettre ça au vote. C'est la 3-3, la mise à jour des tableaux des emplois communaux. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. On passe à la 4-1. Donc, c'est une demande d'octroi de la protection fonctionnelle et juridique à Monsieur Krief. Par rapport... Monsieur Krief, hein, c'est par rapport au... il a été victime d'une violation de domicile. Voilà, je cherchais le terme exact. Le 2 juin 2023, c'est écrit, hein, dont il ressort du constat dressé qu'un pigeon mort a été déposé dans sa boîte aux lettres, ce qui signifie clairement, c'est une menace, hein, une tentative d'intimidation, menace, que l'on prend très au sérieux. Vous avez suivi l'actualité sur... j'étais tout à l'heure avec Vincent Chambrin pour lui amener aussi ma solidarité, quand même pris très... Enfin, des choses totalement inadmissibles, hein, que l'on voit dans ce pays. Donc moi, je vous remercie de la qualité des débats ce soir, parce qu'il faut absolument qu'on élève le niveau et qu'on baisse le niveau de conflictualité dans ce pays, hein, à tout niveau. Et voilà, ce qui a été fait à M. Krief est totalement inadmissible, condamnable, et donc on est particulièrement vigilant, étant donné que c'est un élu exposé parce qu'il fait un excellent travail et qu'on ne peut pas donner satisfaction à tout le monde. Mais quoi qu'il arrive, on n'a pas à subir ça quand on donne beaucoup, qu'on ne reçoit pas forcément grand-chose en échange, mais on le fait parce qu'on y croit et on mérite tout sauf ça. Donc, comme je vous le disais, j'ai apporté mon soutien personnel et physique tout à l'heure à Vincent Chambrin, le maire de La Haye-les-Roses. Je le dis ici vis-à-vis de M. Élie Krief. Et donc, il est évidemment proposé qu'il ait la protection fonctionnelle et juridique dans le cadre de cette sinistre affaire. Des questions, ouais, Monsieur Valentin? Oui, alors d'abord, je voulais naturellement apporter mon soutien à Élie Krief dans cette,
affaire assez, assez sinistre, je dois dire, et voilà, lui assurer de toute ma solidarité. Donc naturellement, je voterai pour l'octroi de la protection fonctionnelle. Au-delà de ça, et je crois que ça, enfin, Monsieur le maire, vous l'avez bien dit, dans cette période un petit peu troublée, on peut quand même s'inquiéter des violences qui ont ciblé les élus. C'est des phénomènes qui ont toujours existé, mais qui prennent quand même une ampleur, une dimension et une violence relativement inquiétante, surtout par rapport au dévouement et au service en fait du public qu'ils incarnent. Donc là-dessus, à l'ensemble des élus, j'apporte naturellement ma solidarité. Je voulais aussi associer les agents qui, même si ils n'ont pas forcément et fort heureusement subi les récents événements, qui sont quand même aussi parfois les premiers exposés, on va dire, à une certaine parfois nervosité ou agressivité de la part de la population. Donc je sais que c'est pas toujours facile, et même si c'est pas dans les mêmes proportions, fort heureusement, je voulais aussi avoir une pensée pour le travail qu'ils font au quotidien au service de la population. Voilà ce que je voulais dire. Et la dernière chose, peut-être un petit peu moins consensuelle, mais que je suis obligé de porter au débat dans le cadre de l'octroi de la protection fonctionnelle, c'est que je regrette que la politique que vous avez mis en place depuis le début de votre mandat soit d'octroyer systématiquement la protection fonctionnelle aux élus de la majorité. Enfin, en l'occurrence, nous l'avons quasiment systématiquement voté également avec vous. Mais en revanche, jamais lorsqu'elle est sollicitée par des élus de l'opposition, quel qu'il soit, ou par d'anciens élus de l'opposition. Je pense qu'il n'y a pas, comme vous le disiez tout à l'heure, vous vouliez baisser le niveau de conflictualité. Dans ce cas-là, commençons par considérer qu'il n'y a pas que des bons élus d'un côté, des mauvais élus de l'autre. Il y a des élus qui ont fait l'objet de menaces, et il faut tous les protéger, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Et donc j'espère qu'on arrivera à avancer dans ce sens-là. Alors, M. Valentin, juste par rapport à ce que vous dites, là, on parle de menaces, hein, on parle de menaces dont a été victime Monsieur Krief. On ne parle pas de débats entre élus qui peuvent parfois déraper. Je vous prends un exemple, là, Monsieur Assor, qui était élu dans le mandat précédent, un temps dans la majorité, celle que je présidais, puis un temps après en dehors. Ça ne nous a pas empêché de lui donner la protection fonctionnelle. Et d'ailleurs, j'ai eu les résultats récemment, puisqu'il avait été victime lui aussi hein, d'une agression verbale et de propos menaçants et antisémites sur les réseaux sociaux et des messages qui lui ont été adressés. Donc je lui amène mon soutien. Je suis satisfait de voir que la personne incriminée a été condamnée. Je rappelle que le conseil municipal lui avait octroyé la protection fonctionnelle, quand bien même il était parti sur une aventure politique tout à fait différente. Le sujet n'était pas là. On ne va pas forcément refaire toutes les histoires ici. Mais si, je le dis, je pense que le fond il est là, si un élu de l'opposition est victime de menaces, d'intimidation, de tags malveillants, etc., je proposerai que la protection fonctionnelle lui soit octroyée. Si un élu, comme on a pu avoir le cas ici, se met à diffamer un autre élu et que l'élu diffamé l'attaque en justice et que l'élu qui a diffamé l'autre demande aussi la protection fonctionnelle, j'avais dit non, voilà, on n'a pas la protection fonctionnelle. Quand je prends un exemple, moi j'avais mis un courrier en tant qu'élu dans lequel il y avait une possibilité j'avais eu un procès en diffamation par M. Pupponi, c'est pas une diffamation, c'était atteinte à la présomption d'innocence par M. Pupponi, et j'ai pas demandé la protection fonctionnelle parce qu'on était dans le cadre de débats politiques qui n'étaient pas liés directement à nos fonctions. Si vous êtes dans une campagne électorale et que volontairement vous vous mettez à attaquer quelqu'un et que ça va trop loin et que l'autre personne dit attendez, moi je vous fais un procès si c'est comme ça, vous êtes infondé à demander la protection fonctionnelle. Et moi-même, j'ai considéré que j'étais infondé, donc je ne l'ai pas demandé. Donc le problème, ce n'est pas qu'on ne l'a pas octroyé, c'est que des gens, pas tous les cités ici, parce que ce n'est pas la peine, ont fait des demandes de protection fonctionnelle de façon totalement abusive, parce que la règle, c'est quoi ? C'est que quand ça n'est pas séparable du mandat,
si de votre propre gré, en pleine campagne électorale, vous mettez à déraper vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ça n'est pas inhérent à votre mandat. C'est inhérent à votre façon de faire campagne électorale. Ça n'a rien à voir. Voyez, alors que là, quand un élu en fonction est victime d'intimidation par un pigeon mort, par des insultes, etc., que ce soit M. Krief aujourd'hui ou M. Assor hier, il a bénéficié tout naturellement de la protection fonctionnelle. C'est ça le raisonnement. Je nous invite collectivement à le faire appliquer à la fois aujourd'hui et dans les... Et j'espère qu'on n'aura pas à le faire appliquer, parce que j'espère qu'on n'en aura pas besoin, mais que l'opposition sache que s'ils sont victimes de ce dont a été victime M. Krief ou d'autres, évidemment que je proposerai, j'en prends l'engagement ici, que la délibération soit portée à l'ordre du jour et que je la voterai personnellement. Messieurs, dames, on va mettre ça au vote avant le déluge. Ça y est, c'est le déluge. Donc c'est la 4-1. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. C'est la 4-2 maintenant, même type de délibération, mais c'est M. Alvarez qui, lui, a été mis en cause sur les réseaux sociaux. Propos donc considérés comme diffamatoires et atteintes à son droit d'image. Parce qu'il y a une jolie photo de toi, mon cher Manuel, mais enfin, avec des commentaires dont on se serait passé. L'auteur identifié des c'est M. Adama avec un H Traoré. Donc je le redis ici parce que après il regarde les captures d'écran et puis il dit qu'on a dit du mal de lui. Oui, je le dis ici publiquement. Ce qu'a fait M. Adama Traoré est attaquable en justice. Et donc il est attaqué en justice et les frais sont pris en charge. Si vous votez cette délibération, seront pris en charge au titre de la protection fonctionnelle. Voilà. C'était donc des questions là-dessus, ça va? C'est le même débat de principe que tout à l'heure, je pense. C'est la 4-2, je la mets au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, unanimité? Je vous remercie, c'est bien de montrer l'unanimité. Et M. Alvarez ne prend pas part au vote, ça me paraît juste. Tout comme je ne vais pas présenter la délibération suivante, puisqu'elle me concerne, et c'est Mme Olivier Langlade qui va le faire. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Oui, alors, Monsieur le maire, Patrick Haddad a été victime de propos diffamatoires sur les réseaux sociaux avec atteinte à son droit d'image. L'auteur à l'origine des faits a été identifié. Il s'agit aussi de Monsieur Adama Traoré. Et que les faits incriminés font l'objet d'une enquête judiciaire. Donc, il est demandé au Conseil d'accorder la protection fonctionnelle à Monsieur le maire Patrick Haddad. C'est moi. C'est moi. Oui, pardon. Oui, donc je mets au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Unanimité, merci. Et je ne prends pas part au vote. Oui. Voilà. Très bien, merci Madame Olivier Langlade. La quatrième, c'est Monsieur Simakala. Et donc, c'est le même individu, n'est-ce pas? Voilà, c'était un. C'est de la sérielle diffamation. C'est une nouvelle activité. Voilà, on verra bien ce qu'en dit la justice. En tout cas, on va lui poser la question. Et les avocats vont défendre les élus avec l'aide du conseil municipal concernant la protection fonctionnelle. C'est pour M. Simakala, c'est toujours M. Adama Traoré qui est accusé de l'avoir diffamé et atteinte à son image. Je vais mettre ça au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Oui, ça va? Je vais voter, mais je vais. D'habitude, on a accès. Enfin, dans mon souvenir, on a accès aux propos celle de Ilkriev, on sait un peu ce qui s'est passé. Là, on n'a aucune idée des propos prononcés. Donc, c'est un peu. Enfin, voilà, je vote parce que voilà, mais. Oui, d'accord. Ça serait bien que la prochaine fois, on ait au moins une copie d'écran ou un truc. Alors, pour comprendre un peu mieux le contexte. Oui, monsieur Cetas, on peut. Qu'est-ce qu'on peut diffuser? On peut vous faire pas venir les constats d'huissier. Hein, puisqu'on a fait constater par huissier, ce sont des publications Facebook de mémoire, hein, des publications Facebook, où il y a à la fois nos photos et il y a des propos que l'on considère comme étant diffamatoires. Et donc, on ne va pas en faire la promotion ici. En revanche, on peut tout à fait vous envoyer des constats d'huissier. Donc, M. Tasse, à ma demande, suite à votre interpellation, s'en charge. Merci. M. Valentin, c'est la 4-4. Je la mets au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer à la direction des services à la population. Mais Madame Mahamat n'est pas là, n'est-ce pas? Donc je crois que ça va être moi qui vais rapporter sur ce point.
si la technologie m'aide en la matière. Hein, ouais, c'est pas si simple que ça. C'est quoi ça? C'est la 5e, je ne l'ai pas. C'est dans l'administration générale, ça? Ouais. J'arrive, pardonnez-moi, dans un instant. Donc, il s'agit d'un avenant numéro 2 à la convention de partenariat à l'agence postale communale. Donc, c'est celle des Sablons. Hein. Comme vous le savez, celle des Chardonnerets était plus ancienne. Celle des Sablons, c'était la seule façon qu'on a réussi à utiliser pour faire en sorte qu'elle puisse ouvrir ou réouvrir. Et donc, ça se passe correctement. J'en profite pour annoncer qu'on est en cours de labellisation des trois plateformes de services publics, hein, puisque cette agence postale est située dans une plateforme de services publics, en l'occurrence celle des Sablons. Nous sommes en train de faire labelliser nos trois plateformes de services publics, France Service, de façon à ce qu'un plus grand nombre de services à la population puissent être accessibles à nos concitoyens depuis quatre points, puisqu'il y aura, il y a un point désormais qui est ouvert comme France Service, qui est l'agence postale, la poste, hein, de Lochère, et donc gérée par la poste elle-même, et puis nos trois plateformes qui vont le devenir. Donc celle-ci, elle sera un peu trois en un, si vous voulez. Hein, celle des Sablons, elle sera l'activité traditionnelle de la plateforme, les activités de France Service, et puis l'agence postale communale. Donc cet avenant numéro 2, pour revenir à la délibération précisément, l'avenant numéro 2, il fait évoluer les horaires, puisque les usagers ont fait part de leur souhait de voir étendu ces horaires, notamment le matin du mardi au vendredi, et donc au lieu qu'elle soit ouverte que l'après-midi, elle va être ouverte aussi le matin de 9h15 à 12h15, et le lundi après-midi de 14h30 à 18h30, du mardi au vendredi après-midi de 14h à 17h30. Vous avez donc les horaires qui sont dans le cœur de la délibération. C'est l'objet de l'avenant numéro 2. Je crois qu'il ne vaut pas nous donner plus d'argent pour autant, la Poste, non? Si, je ne crois pas. Hein. La Poste ne nous donne pas plus d'argent. Hein, hein. Non, tant pis. Bon. Mais vous voyez, dans l'agence postale, je ne sais pas combien c'est, 15 000 euros par an, je crois. Non, vous avez... C'est vous qui êtes fort en chiffres, hein? Non? Vous n'avez pas les chiffres, vous? Non, on vous donnera le chiffre, mais c'est ça, c'est une quinzaine de milliers d'euros par an. Le montage, c'est ça. Hein, on fait des opérations pour eux, et en l'échange de quoi, ils nous financent. Et donc, je ne suis pas sûr qu'ils nous financent plus, parce qu'on ouvre plus longtemps, mais on va regarder quand même. Et c'est 12 000, hein? Ouais, c'est 12 000. Il n'y a pas un peu d'inflation, là, à leur coller Ok. Voilà, c'est revalorisé au 1er janvier, mais on est plutôt sur une douzaine de milliers d'euros. Donc, on ne va pas devenir riche avec ça. Et France Service, ça nous ramènera 30 000 euros par plateforme et par an. Donc, c'est plus intéressant. Et c'est cumulable, évidemment, avec ce petit financement de la Poste. Enfin, le service public, au moins, est assuré. Messieurs, dames, des questions là-dessus? Ça va? Très bien. Je la mets au vote. C'est la 5-1. Est-ce qu'il y a des contres, des abstentions? Unanimité. Je vous remercie et je vais pouvoir passer la parole à monsieur Alvarez, sur la convention de partenariat avec les bailleurs CDC Habitat et Val-d'Oise Habitat pour les chantiers éducatifs. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Bien, donc il s'agit effectivement d'une convention de partenariat avec les bailleurs CDC Habitat et Val-d'Oise Habitat pour des chantiers éducatifs. C'est une mission à laquelle nous tenons beaucoup et que nous essayons de faire, même si dans la période récente, ça a été un petit peu, pas oublié, mais on a été obligé de mettre de côté compte tenu du contexte sanitaire que l'on avait. Voilà, donc dans le cadre du dispositif du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIPD, la commune de Sarcelles a sollicité des financements pour la mise en place de 5 chantiers éducatifs en partenariat avec les bailleurs sociaux pour l'année 2023. Donc ce sont les bailleurs CDC Habitat et Val-d'Oise Habitat, donc, qui sont propriétaires d'immeubles d'habitation situés à Sarcelles, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et la commune de Sarcelles souhaite donc impliquer les jeunes dans la vie locale et la rénovation des résidences en les incitant à participer à un projet qu'on intitule chantier éducatif. Donc il s'agit de travaux de peinture, de nettoyage et de remise en état. Et donc les deux bailleurs se chargeront de l'encadrement technique des jeunes et de l'achat de matériel
de la mairie et la mairie de Sarcelles assurera le suivi pédagogique des jeunes. Très bien. Ça va ? Oui. Durée du chantier 15 jours. Et en contrepartie, les jeunes bénéficieront d'une prise en charge financière par la ville pour une formation ou permis de conduire, puisque c'est un aspect important, notamment dans le cadre de la recherche d'emploi, d'assurer une aide à la mobilité, ce qui fait souvent défaut, et pas que pour les jeunes. Voilà, donc il s'agit d'établir une convention de partenariat pour chaque chantier éducatif avec chaque bailleur précité. Et donc on propose au conseil municipal d'adopter la délibération qui suit. Très bien. Merci, monsieur Alvarez. C'était la 6-1. Des questions là-dessus ? Ça va ? Il y a des comptes, des abstentions, unanimité. Je vous remercie. On va passer à la 7-1 et c'est monsieur Jean-Jacques Chris qui va nous parler d'une convention de partenariat, cette fois entre la ville de Sarcelles et l'université Paris-Est Créteil. C'est une modification d'une délibération précédente. Dites-nous tout, monsieur Chris. Monsieur le maire, je vous propose de délibérer, de parler des deux. Vous pouvez rapporter sur les deux et on fait deux votes l'un derrière l'autre. C'est un et c'est deux parce qu'en fait, je crois qu'on est victime tout simplement d'une inversion de chiffres dans nos délibérations précédentes, 3 000 euros, 7 000 euros qui avaient été inversés. Et il s'agit de redonner à chacun ce qui lui revient et de confirmer nos conventions de partenariat qu'on avait votées avec l'Université Paris-Est Créteil et avec l'Université Paris-Nanterre. Ouais, c'était succinct, c'était synthétique. Merci, monsieur Chris. Des questions là-dessus ? C'était pour les deux à la fois, n'est-ce pas ? Parfait. Ça se passe bien avec les étudiants de Paris-Est, Créteil, Paris-Nanterre. Très bien. Eh bien, on est bon. Alors là, c'est un. Je la mets au vote. Est-ce qu'il y a des contres, des abstentions, unanimité ? Je vous remercie. La 7-2, des contres, des abstentions, unanimité. Je vous remercie aussi. Et monsieur Chris reprend la parole pour nous parler d'Orcode et d'une convention tripartite. C'est dans l'Orcode un chantier éducatif participatif avec la ville de Sarcelles, les compagnons bâtisseurs et le syndicat des propriétaires Ravel. C'est une nouvelle alliance. Comment ça se passe tout ça ? Alors, l'objectif, c'est de faire en sorte que les habitants de cette copropriété, en particulier les jeunes, s'emparent de façon collective, de la façon la plus sympathique possible de ces rénovations, en participant sous la conduite des compagnons bâtisseurs à des rénovations, améliorer leur quotidien, créer une dynamique collective et favoriser l'implication de l'ensemble des résidents. On est là dans le cadre de leur code, effectivement, et la ville, avec l'aide des compagnons bâtisseurs, va faire en sorte que ces activités soient gratuites, conduites techniquement convenablement, et on aura, là encore, en ce qui concerne les jeunes qui vont participer à cette opération, un attrait particulier avec le financement de leur permis de conduire s'ils le veulent bien. Donc, on vous propose de voter cette délibération et d'autoriser le maire à signer cette convention. Bien, merci, monsieur Chris. Ça me paraît bien voilà, que leur code se génère aussi du chantier éducatif et avec une association avec laquelle ça se passe très bien, les compagnons bâtisseurs. Des questions là-dessus, ça va ? Je la mets au vote. Ça va ? Une question, non ? Peut-être ? Non, comme ça parle des compagnons bâtisseurs, il y a quelque chose, il y a des travaux qui sont prévus à la maison de solidarité cet été ? Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Je ne sais plus. Hein ? La maison des solidarités, là où il y a... Ouais, c'est ça. Quelques travaux, oui. Je n'ai pas la liste en tête précise, mais on fait des travaux d'entretien parce qu'il y a besoin. C'est eux qui les font ? C'est les compagnons bâtisseurs qui font le chantier, c'est ça, hein, là-bas. Oui, tout à fait. Ils ont des chantiers en dehors de ce qu'ils font avec la ville. Hein. Là, les locaux sont des locaux villes, on les autorise à faire des travaux. Et eux, ils ont des modalités de financement de leur propre chantier qui parfois se font avec nous, parfois se font avec d'autres partenaires.
Et donc là, c'est bien les compagnons bâtisseurs, mais c'est sur la copropriété Ravel, hein, sur laquelle a lieu ce chantier, et c'est dans le cadre de leur code. On met ça au vote, messieurs, dames. Il y a des contre, des abstentions, unanimité, je vous remercie. La 8.2, il y a aussi une convention, cette fois c'est juste du prêt à usage, hein, mon cher Jean-Jacques, sur le projet qu'on appelle les terrasses du monde, hein, sur le mail Prost, ville de Sarcelles, et les copropriétaires, puisque c'est eux, comme leur nom l'indique, qui sont les propriétaires de ce mail qui est sur la copropriété EV1, n'est-ce pas ? Donc là, il s'agit de reconquête d'une certaine manière. Tout le monde connaît le mail en question et ses caractéristiques un peu désolantes actuellement. Et il s'agit, en coopération avec la copropriété, de tester des modalités de reconquête, des tentatives à la fois culturelles, d'animation, de extrêmement diverses. Ça va du cinéma à la musique, en passant par les échecs. Je parle de jeux d'échecs. Reconquérir progressivement et tout l'été. Et si possible, en tout cas, c'est ce qu'on espère, grâce à ces animations, retrouver des usages et rendre durable l'amélioration de cet environnement. On est à l'entrée de ville, en parallèle de l'avenue du 8 mai 45, et on espère sortir cette zone de ses difficultés actuelles à la satisfaction des copropriétaires. Très bien, merci Jean-Jacques. C'est vrai que c'est un beau projet. Là, on est sur de l'éphémère, de l'expérimental qui deviendra du durable une fois qu'on aura trouvé la bonne formule. Mais déjà, que les habitants, des jeunes, de l'intergénérationnel, la maison de quartier se mobilisent pour améliorer leur cadre de vie avec aussi une belle équipe professionnelle, c'est déjà une avancée en soi. C'est la 8-2, je la mets au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, unanimité ? Je vous remercie. Je repasse la parole à Jean-Jacques. Côté urbanisme, à proprement parler, un avenant numéro 3, c'est une prestation de service entre la communauté d'agglomération et la commune de Sarcelles pour l'instruction des dossiers d'autorisation préalable de mise en location. C'est notre fameux permis de louer, ça. Oui. Alors, qu'est-ce qui change, Jean-Jacques ? Alors, ce qui change, c'est que la communauté d'agglomération nous propose de modifier une bonne fois les règles de fonctionnement. Jusqu'à là, tous les ans, on votait un avenant de mise en œuvre. Et la communauté d'agglomération a trouvé plus simple de supprimer cette obligation d'avenant annuel. En tout cas, de ce point de vue-là, ça sera le dernier sur lequel nous délibérerons. Les modalités sont maintenant à peu près bien établies. On sait comment on travaille pour eux, en réalité pour Sarcelles, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit, et comment on est rémunéré pour ce travail. Donc les choses sont stabilisées et nous n'aurons plus à délibérer chaque année comme nous le faisions jusqu'à là. C'est une mesure de simplification. Exactement. Que nous avons ici. C'est la 9.1, je la mets au vote. Il y a des contre, des abstentions, unanimité, je vous remercie. Nous allons passer à la 9.2, c'est une modification du PLU et c'est Madame Menasseur qui va rapporter sur cette délibération. Merci Monsieur le Maire, bonsoir chers collègues. Alors, effectivement, dans le cadre de la modification simplifiée du PLU en cours, il est question d'ouverture d'urbanisation du secteur du Haut-du-Roi. Plus précisément, c'est un réajustement de terrain ou de parcelles par rapport aux zones définies dans le PLU. Alors, le premier concerne l'emprise pour la réalisation d'un parking à côté donc, de la Fondation Chaptal qui permettra l'extension de l'école des infirmières. Bien sûr, il sera à la charge de la Fondation. Le deuxième concerne le terrain appartenant à ICAD et dans le cadre de l'évolution du projet qui est toujours en étude. Donc il est question effectivement d'ouvrir à urbanisation cette... Donc on est en zone à urbaniser. Nous avons proposé cette délibération aux personnes publiques que nous avons reçues dans le cadre de la procédure donc en mai dernier 2023 et nous n'avions pas eu d'observation pendant la réunion. Il est néanmoins nécessaire de consulter à nouveau les personnes publiques
pour avoir des observations. Ensuite, donc, conformément à la procédure, évidemment, il sera question aussi d'une publicité, aussi bien sur le Parisien du Val-d'Oise et sur le site de la ville. Je vous remercie. Bien, merci Madame Menasseur. Des questions là-dessus ? Ça va ? On met ça au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, unanimité ? Je vous remercie. Et je redonne la parole à Madame Menasseur. Cette fois, c'est sur la délégation du droit de préemption au profit de CDC Habitat, mais on réduit le périmètre de délégation pour vraiment se concentrer sur celui des secteurs prioritaires de leur code, n'est-ce pas ? Absolument. Merci, Monsieur le Maire. Donc, dans le cadre de la requalification des copropriétés dégradées, une convention tripartite a été signée entre la communauté d'agglomération, la ville et CDC Habitat pour un contingent de 80 logements en acquisition. Nous avions délégué, la ville avait délégué à l'époque le droit de préemption sur l'ensemble des lochères. Or, nous avons bénéficié également de deux dispositifs supplémentaires, donc leur code et le PIA4. Et dans ce cadre, pour mieux se concentrer et cibler effectivement en priorité les copropriétés qui vont bénéficier de ces finances publiques, il est question de réduire la délégation du droit de préemption à CDC Habitat, aux bailleurs, et la ville uniquement à ses copropriétés donc, qui sont listées dans la délibération. Ainsi, la ville retrouverait son droit de préemption sur le reste de l'ensemble du grand ensemble. Il est à préciser aussi que par rapport aux acquisitions par CDC Habitat, évidemment, en priorité seront acquis les lots ou les logements des copropriétaires qui sont endettés, hein, dont les copropriétaires sont endettés. Néanmoins, il sera aussi ponctuellement question d'acquisition de logements qui seront en suroccupation avérée ou dont les futurs acquéreurs ne sont pas complètement fiables. Je vous remercie. Merci, Madame Menasseur. Des questions là-dessus ? Bien, on va mettre ça au vote. Est-ce qu'il y a Oui, une question, pardon. Allez-y, Monsieur Valentin. Pourquoi vous n'avez pas restreint immédiatement... Enfin, pourquoi on l'a pas fait immédiatement, en fait, de restreindre... Pourquoi on avait cédé sur tout l'Auchère le droit de préemption à CDC, à l'origine ? C'était quoi l'utilité ? Parce que l'idée, c'était de lutter contre les marchands de sommeil à l'échelle hein, à l'échelle du grand ensemble et même l'ensemble de la ville. Hein. Sauf que ce dont on s'est rendu compte, c'est que juridiquement, on ne pouvait pas être deux à exercer le droit de préemption. Et donc, il était quand même assez risqué que la mairie perde son droit de préemption sur certains endroits en disant bah, « si CDC ne veut pas », parce que ça veut dire ça, c'est-à-dire si CDC ne veut pas, on ne peut pas préempter derrière. Hein. Donc on a dit « écoutez, on va se répartir les rôles un peu différemment parce que ce n'est pas ça le but ». Donc le but, c'est vraiment qu'ils concentrent leur effort au titre de la convention sur les secteurs prioritaires hein, de leur code. Donc ça commence par le secteur du PIA4 hein, et ça va s'étendre progressivement. Et donc voilà, on le fait en fonction de cette opération-là. Donc, comme le disait Madame Menasseur, à la fois ceux qui sont très endettés pour faciliter le fait que leur logement puisse être racheté et que leur dette soit apurée pour renflouer la copropriété, et puis des marchands de sommeil aussi dont il a besoin qu'on doit évincer ou éviter qu'ils s'installent tout simplement dans ces secteurs prioritaires. Sur le reste, c'est nous qui pouvons le faire. En sachant que quand on va voir des situations avérées de marchands de sommeil, on peut tout à fait faire ce qu'on a fait à plusieurs reprises, c'est-à-dire préempter nous et revendre ensuite. Hein. C'est pas parce que la mairie préempte qu'elle va rester propriétaire des biens, elle se garde ce droit de préemption, quitte à revendre ensuite. Normalement, on doit le revendre pour un motif d'intérêt général, donc c'est comme ça qu'on procède. Mais on peut trouver des acheteurs, des bailleurs, etc., qui peuvent reprendre certains lots sans forcément leur déléguer le droit de préemption, puisque se priver de ce droit-là, qui est un droit quasi régalien du maire, n'était pas forcément la formule adéquate étendue à l'ensemble de la ville. Ça va, on met ça au vote, hein, cette réduction du périmètre. C'était donc la 9-3. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie, Madame Menasseur. Là, aujourd'hui, nous avons des heureux bénéficiaires hein,
comme un peu comme chez Stéphane Plaza, mais c'est nous qui leur vendons une magnifique maison, 17 rue des Chardonnerettes. Alors, dites-nous le prix net vendeur, Madame Menasseur. Donc, en effet, donc, cette délibération fait suite à une précédente délibération au conseil municipal pour le déclassement donc, de ce pavillon à propriété de la ville. Donc, c'est au profit de Monsieur et Madame Pérez qui ont formulé leur accord pour l'acquisition de ce pavillon. Le montant estimé par les services de la Direction générale des finances a été estimé à 246 500 euros. Alors, effectivement, donc la ville ne compte pas continuer à avoir ce bien effectivement dans son patrimoine. Et puis, il vous est proposé, effectivement, si on peut faire des heureux, surtout sans négociation avec les estimations que nous leur avons fournies. Voilà, donc je vous propose de voter pour cette délibération. Très bien. Pas de difficulté pour donc monsieur et madame Pérez, donc qui sont les acquéreurs de ce bien. On fait ça progressivement sur des biens dont on n'a pas besoin, nous, et qui sont intéressants pour des acquéreurs, des Sarcellois, en l'occurrence, au prix des domaines. C'est la 9-4. Je la mets au vote. Il y a des comptes, des abstentions, unanimité. Je vous remercie. La 9-5, nous allons donc maintenant se parler d'une cession de volume, donc d'un terrain en fait, hein, tout simplement, à l'association musulmane foi et unicité, l'AMFU, n'est-ce pas, Madame Menasseur ? Oui, tout à fait, monsieur. Dont je vois quelques représentants dans la salle, me semble-t-il. Voilà. Oui, merci, monsieur le maire. Donc là, il est question de volume propriété de la ville dans une copropriété qui se trouve rue Palissy. Donc, encore une fois, la ville n'a pas vocation à garder des biens. La mosquée de l'association musulmane foi et unicité a présenté un intérêt, a formulé un intérêt d'acquisition de ce volume pour la simple et bonne raison que la mosquée actuelle est insuffisante pour recevoir les fidèles, dans cet établissement. Donc, par procès-verbal en assemblée générale du 30 mai 2023, la copropriété donc a donné un avis favorable pour la cession de ce volume. Donc, une estimation évidemment a été demandée au service des domaines, dont le montant est de 259 770 euros. Donc, une marge au titre de l'intérêt collectif général a été octroyée de moins 10% de ce montant, donc soit 233 793 euros. L'association musulmane foi et unicité donc, a formulé son accord pour ce montant-là par écrit. Donc, il est proposé d'abord le déclassement de ces volumes propriété de la ville, puis la cession de ces volumes à l'association. Il est quand même à préciser aussi que ces volumes ont aussi bénéficié d'un accord en Assemblée générale pour le détachement de ces lots afin que l'association soit propriétaire en entier, donc l'entière propriété de ces lots. Je vous remercie. Oui, tout à fait. Hein, c'était ça le mécanisme. Et il fallait que ça passe aussi par le conseil syndical, puisque sur Bernard Palissy, hein, il fallait cet accord-là également qu'on a pu obtenir. Et donc, à partir de là, on a pu présenter cette délibération. Il y a des questions là-dessus ? Ça va ? Tout le monde connaît l'association Foi et Unicité, monsieur Valentin ? Ce n'est pas une question. Effectivement, je suis d'accord avec le fait que la mosquée actuelle est un peu exiguë. Mais j'étais juste en train de regarder où c'était effectivement sur le plan. Donc voilà, mais je soutiens cette initiative. Vous avez en annexe tous les plans d'abord de la division qui ont été établis par le géomètre expert, hein, Bonnier, qui est sur Deuil-la-Barre. Et vous avez également le procès-verbal de l'Assemblée générale qui définit exactement les lots et leurs affectations. Il n'y a pas de mystère particulier, hein, c'est là où ils sont déjà. Hein. C'est la partie... vous avez le parking, quand vous arrivez, vous avez le parking comme ça, ensuite ça devient un parvis, et quand vous arrivez à la mosquée, hein, quand vous venez du marché, c'est le terrain qui est sur la gauche, hein, avec les palmiers. Voilà.
Non, mais il n'y a pas de fabriqué là-bas, il n'y a rien. C'est le terrain extérieur. En fait, c'est tout simplement l'extension à côté, en mitoyenneté, avec le bâtiment actuel. C'est ça. Ah oui, vous parlez des préfats qui sont le long... Non, non, c'est le terrain qui est un peu après. Ouais, qui est en contrebas, en fait. Avec... non, c'est pas une pelouse, c'est une espèce de terre battue. Pour l'instant, oui, absolument. On a dessus. C'est un terrain vague. Voilà. C'est une... oui, après, c'est pas long. Vous remontez, vous êtes à la Croix-Rouge rapidement. Voilà. Des questions là-dessus, ça va ? On va mettre ça au vote. Est-ce qu'il y a des contres, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Et on est content d'avancer aussi avec cette association, comme on le fait avec plein d'autres, que ce soit sur des projets culturels ou cultuels, dans le respect des règles, des lois, comme il faut, et en accordant moins de 10% dès qu'on a c'est des projets associatifs, donc d'intérêt collectif, ce qui justifie cette disposition. Donc c'est bon, c'est voté, merci, félicitations. La 9-6, c'est un échange de terrain, Madame Menasseur, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, Monsieur le maire. Donc là, il est question effectivement d'échange de terrain. Donc il s'agit d'un parking qui est la propriété des messieurs Zafrani et en contrepartie d'un terrain qui appartient à la ville, qui est actuellement utilisé comme parking et qui se trouve rue Claude Bernard. Au-delà de l'échange de terrain, il est question d'un programme pour l'édification d'une résidence de seniors de 90 chambres. C'est un programme que la ville soutient pour la simple et bonne raison qu'il y a une forte demande pour ce genre effectivement d'hébergement. Il y a une nécessité absolue dans la ville. Donc nous avons des personnes âgées dans le grand ensemble, et d'ailleurs à l'échelle de la ville, qui sont seules dans de grands logements. Et effectivement, donc cet établissement permettra une réponse à cette population. Par ailleurs, ça permettra aussi de libérer des grands logements sur le grand ensemble. Par ailleurs, je tiens à préciser que ce programme n'est pas faisable réellement à l'instant T, parce que les 90 chambres sont considérées comme du logement, donc c'est de la création de logement, et qu'au titre du CDT, du contrat de développement territorial, dont M. le maire avait fait une introduction tout à l'heure, alors qu'est-ce que le CDT en fait ? C'est l'État qui a tout simplement défini la construction d'un certain nombre de logements par secteur. Alors la ville de Sarcelles en contient 9, et effectivement, nous avons constaté qu'il y avait besoin aujourd'hui, par avenant, de rééquilibrer l'urbanisation dans notre ville. Certains secteurs, effectivement, ont été sururbanisés. On voit sur le village, par exemple. Et l'entre-deux, effectivement, ou ailleurs, on a un manque, effectivement, d'autorisation pour la construction de logements. Donc, il est question, effectivement, donc, par cet avenant là que nous sommes en train d'organiser, pour réaffecter effectivement les logements à construire ou les droits à construire dans certains secteurs. Eh bien, une fois que j'ai dit tout ça, je crois que j'ai dit à peu près okay, tout. Ça va. Voilà, donc là, parfait, effectivement, merci. Voilà, les frères Zafrani sont d'accord. Et puis, ouais. Alors, allez-y, Madame Stancio. La réalisation des aires de stationnement suite à la cession du terrain seront à la charge de qui ? Alors, sont à la charge de la ville. C'est la nôtre. Hein. Alors... Oui, tout à fait, puisqu'en fait, l'idée, c'est d'échanger un parking contre un terrain. Le terrain étant constructible, ça permet de faire cette résidence senior. C'est vrai que c'est un vrai besoin sur la ville. On n'en a pas une seule. On a deux EHPAD, mais pas une seule résidence pour personnes âgées qui ne sont pas suffisamment dépendantes pour aller en EHPAD, qui est quand même des lieux qui sont de moins en moins prisés par les Français. Les EHPAD ne remplissent plus aujourd'hui. Ils sont à 85% de fréquentation. Ils étaient à 95% avant le Covid. Donc, il faut des logements différents. Et pour se réaliser, il fallait faire cet échange de terrain. Alors, ça n'a pas été précisé ici, mais ça répond peut-être à la question. C'est que comme on vend un terrain qui est constructible et qu'on achète un terrain qui n'est pas constructible, de mémoire, on vend à 1,2 million et on achète à 200 000 euros. Donc, nous, on fait une plus-value d'1 million d'euros là-dessus.
Et donc, ça nous permet largement de reconstituer l'offre de parking. On n'allait pas les faire payer en plus le parking à partir du moment où il y a un million d'écart entre les deux. Et donc, voilà, je ne sais pas combien coûte de faire le parking, peut-être 200 000 euros, 250 000 euros. On le fera en evergreen d'ailleurs pour le laisser perméable. Et comme ça, on aura réussi une opération qui me paraît intéressante pour tout le monde. Oui, juste du point de vue procédural, monsieur le maire. Donc dans le cadre de ces délibérations, il est d'abord proposé le déclassement de ce terrain donc, qui appartient à la ville, puis dans un prochain conseil municipal, il sera proposé la cession de ce terrain aux frères Zarfani. Parfait, merci. Madame Menasseur, je la mets au vote, c'est la 9-6. Est-ce qu'il y a des contre Oui, pardonnez-moi, madame Huchet. Excusez-moi, bonjour. Il n'y a pas déjà une résidence, boulevard Jacques Copeau, qui n'est pas très très en forme, je dirais, entre guillemets. Alors, en fait, ce n'est plus une résidence pour personnes âgées depuis longtemps. Ah. Ça s'appelait la REPA. Ouais. Et en fait, la REPA, de mémoire, c'est le groupe Caisse des dépôts, qui n'a pas souhaité faire les travaux nécessaires, de rénovation, a vendu à un propriétaire privé qui, lui, a fait les travaux, mais n'a pas continué d'exploiter ça comme une résidence pour personnes âgées. Donc, il peut y avoir des personnes âgées comme il peut y avoir des personnes non âgées, si on peut dire. Donc, c'est des studios des deux pièces que l'on a là-bas, mais qui sont au tout venant dans du logement privé. Donc, voilà, ça n'est pas une résidence pour personnes âgées à proprement parler, d'où le fait que ce produit est manquant. Donc, il y a ce projet-là donc, qui est dans le quart... que je ne dise pas de bêtises, nord-ouest du grand ensemble. Il y a une résidence intergénérationnelle qui est en cours, qui va bientôt démarrer les travaux sur les flanades, l'angle Auguste Perret, boulevard Branly. Et puis, nous avons au Cèdre Bleu également un projet de résidence pour personnes âgées. Donc, progressivement, on va combler ce manque existant. D'accord. Merci. Voilà, merci à vous. Je propose de mettre ça au vote. C'est la 9-6. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. La 9-7, c'est une cession de terrain venue de Chantraine pour la construction d'un centre culturel. Et on va commencer par un déclassement d'emprise, n'est-ce pas, madame Menasseur? Oui, absolument, monsieur le maire. Donc là, il est question d'une emprise au profit de l'association Boules et Pétanque, qui se trouve donc à Chantraine. Donc il est question effectivement de... Alors l'association CIMG a montré son intérêt pour l'acquisition de ce terrain au vu d'y édifier un centre culturel. Donc le terrain des Sablons qui avait été vendu à cette association ne correspond plus aux besoins de cette association, et par ce biais, effectivement, il y aurait le déplacement de cette activité au Chantraine. Donc, dans un premier temps, il est proposé d'abord la désaffection et le déclassement de ce terrain, donc qui est propriété de la ville. Et puis, nous sommes par ailleurs en recherche d'une solution pour remplacer ce terrain à l'association. Je vous remercie. Madame Menasseur, j'imagine qu'il y a des questions sur le sujet. Monsieur Valentin. Il faut couper ton micro, Laura, s'il te plaît. Oui, pardon. Oui, alors, est-ce que c'est une question? Je ne sais pas. C'est peut-être plutôt une explication de vote. En tout cas, ce que je constate, c'est à la lecture de cette délibération, et je pense que vous êtes passé un petit peu furtivement, peut-être volontairement, vous allez donc priver des personnes qui pratiquent actuellement une activité sportive de leur activité pour y construire un centre culturel religieux. Dans la délibération, il est bien indiqué que vous n'avez en l'état pas trouvé de terrain de substitution à proposer à nos amis boulistes qui vont donc subir la perte de leur terrain qui leur a été affecté sans même avoir de solution de repli. Donc déjà, je trouve que le signal est assez mauvais. En tout cas, les choses n'ont pas été, en tout cas, comme c'est écrit, bien préparées. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que j'ai déjà eu l'occasion, ici, mais également dans,
dans diverses autres tribunes de dire ce que je pensais de l'orientation politique de l'association CIMG. Et donc, je n'étais pas favorable à ce qu'elle s'installe. Et d'ailleurs, les habitants du quartier non plus, puisque ils ont réalisé une pétition à l'époque au Sablon. Et donc, je ne suis pas plus favorable à ce qu'elle s'installe en face du collège, si je ne me trompe pas. Donc, non, je voterai contre. C'est tout à fait ça, M. Valentin, absolument. Effectivement, donc le permis qui leur avait été accordé a été validé, hein, malgré le fait qu'il avait été attaqué. Donc le tribunal a donné raison à la ville, hein, qui a accordé le permis, et donc à l'association qui en bénéficie, mais qui a souhaité, effectivement, eu égard à la pétition des voisins, ne pas rentrer en conflit avec eux, ne pas leur provoquer de désagréments. Et donc on a trouvé une autre solution ensemble qui consiste à les mettre dans un lieu dans lequel il y aura... pas de conflit de voisinage, ce qui me paraît être une bonne solution pour tout le monde, sauf, hein, vous l'avez dit, pour nos amis boulistes. Donc c'est vrai qu'on, voilà, on est un peu désolé pour nos amis boulistes, mais à vrai dire, c'est un club qui est finissant, hein, avec tout le respect que je leur dois. C'était l'ASS Pétanque pendant longtemps, et ils ont quitté l'ASS, en pas très bons termes d'ailleurs. Ils ont eu quelques difficultés, voilà, je ne veux pas les enfoncer davantage, mais enfin... Il y a un autre club qui a adhéré à la SS Pétanque, celui qui est au village ici, dont on a refait les terrains l'année dernière, n'est-ce pas, M. Védrune, le pro du travaux et du carreau. Et donc, on a fait, c'est ça, hein. Et donc, on aura fait des beaux terrains. Ça marche bien, la SS Pétanque ici, au village. Et voilà, moi aussi, j'adore la pétanque. Je ne suis pas très fort, mais je vais m'entraîner. Mais c'est vrai qu'avoir deux clubs de pétanque d'élite dans la même ville, je ne suis pas sûr que ça soit une priorité municipale, voyez-vous. Donc, on les invite tout simplement à rejoindre, hein, leurs amis du village qui, eux, sont sympas. Là, comment il s'appelle, le moustachu, là, il est cool, lui. Alors, c'est un bon joueur de pétanque. Il va les accueillir volontiers. Donc voilà, les boulistes au village, la CIMG près de Chantraine, un terrain qui correspond bien aux besoins, qui permet de faire réaliser le projet qu'ils souhaitaient réaliser. Et puis, ils vont s'acheminer une fois que les choses seront lancées, une fois que les choses seront construites, vers une vente, hein, des pavillons actuels, des deux pavillons actuels, qui resteront des pavillons, puisqu'il n'y a pas de droit à construire là-bas. La seule chose que les gens ont droit de faire, eux ou d'autres, c'est de raser un pavillon pour en reconstruire un autre, s'ils le souhaitent, hein, mais ça restera une zone pavillonnaire. Et donc, ça me paraît, l'un dans l'autre, je ne refais pas toute l'histoire sur la créance particulièrement étrange que j'avais récupérée d'un de mes prédécesseurs, mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. J'assume ce qui est fait. Un petit clin d'œil à nos amis boulistes. On ira taper le carreau avec M. Védrune et toute l'équipe du côté du Petit Rhône, ici, à côté de la salle Malraux. Voilà. Et puis, bravo à la CIMG pour sa persévérance et son sens du collectif aussi, parce qu'ils ont voulu faire en sorte que les choses se fassent bien, et avec la ville, et avec les autorités préfectorales, et avec le voisinage. Et donc, c'est ce que je souhaite, c'est la façon dont je souhaite que tout le monde travaille dans cette ville. Petite remarque, M. Valentin, ouais, complémentaire. Juste deux remarques. La première sur la vente des locaux actuels. Dans quel délai se sont-ils engagés à les céder? Parce que sinon, on passera donc d'un site à deux sites, en tout cas dans un temps, dans un certain laps de temps. Et la deuxième question que j'avais, c'est que là, donc, vous déclassez des terrains, mais c'est pas des terrains qui sont normalement classés en zone d'activité, qui doivent accueillir des entreprises? Non, en fait, le déclassement n'est pas au titre du règlement du PLU ou du code de l'urbanisme, mais le déclassement se fait parce que c'est une propriété publique de la ville qui est occupée, et dans ce cas-là, voilà, on déclasse pour la mettre dans le patrimoine privé de la ville au vu de la cession. Donc c'est juste une procédure administrative. Hein, et sur le reste, non, l'idée, c'est effectivement qu'il y ait un centre, pas qu'il y en ait deux, surtout que tout ça coûte de l'argent, hein, et pour acheter et pour être construit. Et que donc, l'idée, c'est que la vente des terrains vienne financer, alors quitte à ce qu'il y ait une opération de trésorerie. Mais enfin, le principe, c'est celui-là. Ce n'est pas de créer un centre et de, en même temps, me semble-t-il, hein, de diviser les forces en étant sur deux sites au moment où il y a besoin de faire la promotion d'un nouveau site. Et évidemment que la vente des pavillons et des terrains attenants vont permettre de financer le projet. Donc tout ça me paraît correctement organisé, et je remercie l'ensemble des acteurs.
Monsieur Abchiche. Oui, juste pour nous féliciter de, effectivement, de, que ce projet aboutisse. Juste, c'est sur la méthode que j'interviens parce que je suis un peu. J'ai du mal à comprendre que certaines associations, globalement, il y ait des pétitions. Il y a des pétitions qui ont été faites que, par rapport à ce projet-là, que depuis presque 5 ans, 6 ans, on parle de ce projet qui n'a pas abouti au sablon, qu'une pétition avait été lancée, pourquoi sur ce projet-là, alors qu'il y a plein de centres culturels qui sont construits en Sarcelle, uniquement sur celui-ci, qu'à chaque fois que ça revient au conseil municipal, il y a, voilà, il y a toujours une forme de déviance, de vouloir porter... un peu comme des soupçons sur l'attitude, le fonctionnement, etc. etc. Je trouve ça un peu lourd. Et en tant que moi, j'aime bien être égalitariste. Lorsqu'on est républicain, on essaie d'être cohérent sur tous les projets. Ce n'est pas être pour ou contre. On a le droit d'être pour ou contre un projet, ce n'est pas un souci. Mais il faut qu'on applique les mêmes méthodes à chaque fois, que ce soit pour X et Y, c'est la même méthode. Donc si on doit effectivement, et je suis le premier à le dire, puisque moi je suis contre... J'espère que j'aurai le soutien de ceux qui ne voteront pas cette délibération. Mais à côté de Mozart, nous, on ne souhaite pas à Mozart qu'il y ait une école, non pas parce que c'est l'école, mais parce que c'est hyper urbanisé, qu'à Mozart, on étouffe et qu'on... Voilà. Donc, je me rappellerai que quand il y aura une pétition, si la pétition des copropriétaires à Mozart est plus que probante, ben, ce centre, cette école ira autre part. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça... Ça, la période en plus là de toujours revenir, ça devrait passer comme de l'eau de l'oreille. Normalement, voilà, c'est clair. Ils vont à Chantraine. Bon, ça m'afflige qu'ils doivent changer de quartier. Je comprends toujours pas pourquoi. Bon, l'association est d'accord, donc je m'incline, même si je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas au sablon. Ils ont fait un travail là-bas depuis des années. Ils étaient bien. J'ai vu le projet. Ils avaient un beau projet. Bon, bref, ils préfèrent, c'est leur décision. Ils vont à Chantraine. On devrait se dire très bien, ils vont à Chantraine. Point barre. Voilà. Et ça, sinon, on va commencer à rentrer dans un fonctionnement qui, en tout cas, moi, je rentrerai dans ce fonctionnement de veiller à ce que chaque communauté, on applique la même chose. Et ça, je pense que dans notre ville, ça n'a jamais été l'esprit. On a toujours eu un esprit de concorde pour avancer. Donc voilà, voilà, je voulais le dire. Je voulais le dire. Merci, merci Ali. Je vais mettre ça au vote. C'est la 9-7, pardon. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Le reste est pour. Je vous remercie. La 9-8, Madame Menasseur, toujours une convention d'occupation de locaux au 35 avenue du 8 mai 45 au profit de l'association Les Institutions Loubavitch du Val d'Oise. Oui, merci Monsieur le maire. Donc en effet, la ville est locataire de locaux situés donc au 35 avenue du 8 mai. Qui sont mis à disposition pour des activités d'enseignement. Donc, l'association qui occupait les lieux, donc Reder Tachpar, a quitté les lieux récemment. Donc, la ville souhaite accompagner dans ses actions l'association, l'association des institutions Loubavitch du Val d'Oise, qui mène des actions dans l'accompagnement scolaire, dans l'assistance. Aux personnes vulnérables et qui voudraient continuer, en tout cas, qui comptent continuer l'activité déjà existante dans ces locaux. Donc, il est proposé d'approuver donc, la convention d'occupation des locaux donc, entre la ville et cette association pour une surface d'environ 450 mètres carrés, moyennant une redevance de 520 euros par mois. Sachant que les charges collectives de copropriété seront à la charge de l'association, donc l'association qui prend les locaux. Merci. Merci, merci Madame Menasseur. Des questions là-dessus? Ça va? Ça passe d'une école qui ne marchait plus à une autre. C'est une école depuis très longtemps, hein, depuis les années 80. Et donc, il n'y avait pas de raison pour que cela s'arrête. Je vais mettre ça au vote. C'est la 9-8. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci pour eux, c'est parfait. La 10-1, Madame Menasseur, toujours, on est sur la mission NPNRU. Il y a des transferts fonciers à la commune dans le cadre de la rénovation urbaine. Expliquez-nous ça. Merci, Monsieur le maire. Donc, en effet, la convention NPNRU a été finalement signée en avril 2023 et nous sommes en phase opérationnelle. Alors, il est indiqué que le réaménagement d'espaces publics ou de voiries implique des transferts fonciers
des bailleurs vers la commune. De plus, le règlement de l'ANRU précise que ça doit se faire donc à titre gracieux. Là, il s'agit de plusieurs secteurs, donc notamment le secteur Saint-Saëns, par exemple, où la place a été complètement réaménagée. Les travaux ont été faits en régie donc en 2022. Donc une aire de jeu a été aménagée pour les enfants, ainsi qu'un parking particulièrement dédié aux médecins et aux infirmières qui manquent effectivement de stationnement. Sachant quand même que cet espace extérieur était plutôt, est-ce qu'on peut dire une aire de stationnement ? Pas du tout, c'est-à-dire que c'était un peu n'importe quoi, pardon, pour parler crûment. Des places, des voitures stationnées dans le désordre, il y avait de la mécanique sauvage, plus évidemment d'autres usages pas très licites. Donc effectivement, cette partie donc, d'espace extérieur, nous vous proposons en tout cas dans cette délibération d'approuver la rétrocession donc, de la place Saint-Saëns de Val-d'Oise Habitat au profit de la commune, ainsi que dans le secteur Jaurès et également d'approuver la rétrocession des terrains appartenant à Val-d'Oise Habitat, pardon, à CDC Habitat au profit de la ville. Il est question évidemment que d'espace extérieur. Je vous remercie. Ok, merci Madame Menasseur, ça va ? Pas de problème, ça nous permet de réaliser les aménagements qui sont financés dans le cadre de l'ANRU, moyennant le fait que ces terrains nous soient rétrocédés. Hein. Très bien, je la mets au vote. C'est la 10-1. Est-ce qu'il y a des comptes, des abstentions, unanimité ? Je vous remercie. On va passer à la politique de la ville, en particulier au service de la vie associative. Et donc, il faut que je trouve, en absence de Monsieur Yalab, c'est moi qui vais rapporter. Merci. Voilà, sur donc, la 11-1, l'autorisation de mise à disposition d'un autocar à des associations. Donc, vous avez quelques délibérations ici. Cette fois, on est dans les temps. Vous voyez, pendant des années, les autorisations de financer des cars étaient votées de façon rétrospective. Cette fois, on est bien dans les temps. L'ADAPT va à Provins, ce sera le 13 juillet. L'association Mayuri va à Cergy-Pontoise, à la base de loisirs. Ce sera le 22 juillet. L'ADLCS, les défenseurs des locataires et consommateurs, va à Saint-Leu-d'Esséran le 12 août. Et puis, culture et sport pour tous, va aussi à la base de loisirs de Cergy-Pontoise. Alors, vous en avez d'autres, allez, je ne vous les fais pas tous, hein, c'est pas le... Voilà. Alors, je ne veux pas toutes les sorties possibles imaginables, surtout qu'ensuite ce sont les mêmes associations. Et on a globalement le tableau qui récapitule tout ça. Vous avez le coût, le budget, les associations qu'on connaît bien. Et donc on fait cet effort pour leur permettre de rendre ce service à leurs adhérents. C'était la 11-1. Est-ce qu'il y a des questions ? Tout va bien. Je la mets au vote. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions ? Unanimité. Je vous remercie. On va enchaîner par la 11-2. C'est l'association Ozaratora à laquelle on propose d'accorder des travaux de sécurisation. C'est une école privée sous contrat. Ils ont une dotation par élève. Après, ils doivent se débrouiller pour sécuriser pour leurs travaux généraux. Et donc, qu'ils prennent à leur charge, évidemment, en règle générale. Et de temps en temps, on le fait avec certaines écoles privées sous contrat. Plutôt que d'augmenter notre dotation, parce que ce serait plus coûteux de le faire, hein, sur du fonctionnement annuel, de financer des projets vraiment, vraiment ciblés autour de la sécurisation, de la réfection de la cour, d'une partie de la cour d'école, donc pour des questions de sécurité, et ainsi que la sécurisation d'une structure de jeu pour enfants. Et donc le montant qui est proposé de leur accorder, qui est une subvention d'investissement qui n'est pas récurrente, hein, c'est une seule fois évidemment, de 35 000 euros. Des questions là-dessus, ça va ? C'est un groupe scolaire important de la commune. Je vous remercie pour eux. Des comptes, des abstentions, unanimité, c'est parfait. Je vais passer la parole à Monsieur Ramani qui va nous parler de politique de la ville, notamment du rapport d'utilisation du fonds SRIF en 2022. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues. Je voudrais, si vous me permettez Monsieur le maire, un petit mot lié à l'actualité. On l'a rappelé, notre pays traverse une période mouvementée et troublée qui a fait suite à des événements à travers
toute la France, des événements où notre ville n'a pas été épargnée. Et ces événements font suite à la mort d'un enfant de 17 ans. Je crois que la mort d'un enfant de 17 ans, ce n'est pas quelque chose de normal. J'espère que la justice fera toute la lumière sur cette histoire. Et je voudrais avoir une pensée pour sa maman, parce que perdre un enfant, son seul enfant, c'est une vraie déchirure. Et j'espère que les pouvoirs publics l'accompagneront pour qu'elle puisse se reconstruire. Dire aussi que nous avons collectivement, et au-delà de nos considérations politiques ou partisanes, exprimé notre attachement à la République. Et en cela, je voudrais aussi m'associer, monsieur le maire, à votre soutien au maire de L'Haÿ-les-Roses. Et pour finir sur ce point en préambule, remercier l'administration générale, le cabinet du maire, les agents de la ville qui sont encore mobilisés pour faire rempart contre tous ceux qui essayent de déstabiliser notre ville. Remercier les habitants, les jeunes aussi, et notamment ceux qui se sont mis en barrière devant My Place. Je crois que nous avons fait preuve de solidarité, et c'est aussi parce que nous avons depuis 2020 mené des politiques de proximité avec à la fois les habitants mais nos partenaires associatifs qu'aujourd'hui, par rapport à d'autres villes, on minimise un peu les dégâts. Voilà en point de préambule, monsieur le maire, je vous en remercie. Concernant la délibération, en date du 22 juillet 2022, les services de l'État nous informent d'une dotation de 7 993 231 euros dans le cadre du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France. C'est un fonds de péréquation, c'est-à-dire un fonds de solidarité entre les villes. C'est bien parce que la ville remplit les conditions fixées par le législateur que la ville peut bénéficier de ce fonds. Vous avez joint à la délibération le rapport d'utilisation de ce fonds, qui est une illustration et une poursuite des politiques publiques de proximité et de qualité que nous voulons pour les habitants. Il est donc demandé d'approuver le rapport d'utilisation et, deuxième point, de prendre acte que la ville a bénéficié d'une dotation de 7 993 231 euros. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur Ramani. C'est une délibération qui est classe courante, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus sur le fonds SRIF? Tout va bien. Merci. Je m'associe à vos mots, évidemment, Monsieur Ramani, sur le travail qui a été conduit. J'en dirai un mot tout à l'heure. Je vais mettre ça au vote. C'est la 12-1. Est-ce qu'il y a des comptes, des abstentions? Unanimité. Je vous remercie, Monsieur Ramani. Vous pouvez garder la parole pour enchaîner sur la 12-2. Les subventions allouées aux associations dans le cadre de l'appel à projet estival 2023. Oui, monsieur le maire, donc c'est un second appel à projet estival de 2023. Pour rappel, l'année dernière, dans le cadre de l'instruction du contrat de ville, les services préfectoraux, et notamment le préfet à l'égalité des chances, nous avaient signifié que pour une agilité administrative, d'informer nos partenaires associatifs de présenter leur projet dans le cadre des quartiers d'été en même temps que le contrat de ville. C'est ce qu'on a fait pour une partie des associations, donc ce qui nous a permis de financer 26 actions pour un montant total en co-financement de 119 200 euros. Alors, à l'époque, juste pour être complet sur l'explication, nous avions attiré l'attention du préfet en disant qu'il y avait des associations qui se positionnaient sur les quartiers d'été qu'à l'approche de la période estivale, et donc il nous avait été donc précisé qu'il y aurait potentiellement un second appel à projet donc estival 2023 qui fait l'objet aujourd'hui de cette délibération. Nous proposons donc au conseil municipal de financer 17 projets pour un montant sur la partie ville de 15 700 euros. Très bien, merci monsieur Ramani. Pas de questions là-dessus, je la mets au vote. Il y a des comptes, des abstentions. Unanimité, je vous remercie. C'est madame Plot qui va enchaîner maintenant sur une subvention à l'association NALAC pour la construction d'une école dans une ville, dans une de nos villes jumelles qui est située aux Comores. Bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. Oui, alors cette délibération se situe dans le cadre de notre accord de coopération avec la ville de Tidjé aux Comores. Et elle porte sur l'école de la ville de Tidjé, qui existe depuis longtemps, qui existe, je crois, depuis 1970, mais qui est une école qui rencontre beaucoup de difficultés. Et nous proposons
de verser une somme de 10 000 euros à l'association Nahalac, qui est notre interlocuteur sur place, enfin non, ici, pardon, à Sarcelles, mais qui est l'interlocuteur principal dans le cadre de cette coopération, pour aider à la construction d'une salle de classe, en sachant qu'il y a 7 salles de classe actuellement pour environ 420 élèves. Donc, ils sont environ 60 par classe, ça fait quand même beaucoup. Voilà, c'est pour les aider dans ce cadre. Donc, je propose de mettre cette subvention à la délibération du Conseil. Parfait. Merci, Madame Plot. Donc, 10 000 euros pour cette école et cette ville jumelle. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On va pouvoir passer à la délibération à la vie des quartiers jeunesse, la 14-1. C'est Monsieur Alvarez qui va prendre la parole pour une convention avec l'ANCV dans le cadre du projet d'aide aux vacances 2023. Voilà. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, il s'agit de donner un coup de pouce pour le départ en vacances de nos jeunes, des jeunes de 18 à 25 ans qui sont souvent bloqués sur la ville, exclus des départs en vacances. Donc, depuis 2019, donc, la ville de Sarcelles et la ANCV sont convenus de reprendre leur relation partenariale de façon bilatérale. Et c'est donc dans ce cadre que s'inscrit la présente demande de partenariat portant sur les aides au projet vacances. Sur le plan social, ce projet permet de réduire les inégalités d'accès aux vacances pour les jeunes issus des quartiers populaires. Et sur le plan éducatif, c'est un véritable levier favorisant l'accès à l'autonomie des jeunes. Il y a un certain nombre de critères pour permettre d'attribuer cette aide financière aux jeunes, notamment donc, la question du départ en vacances pour ceux âgés de 18 à 25 ans. Encourager l'autonomie, encourager l'implication des jeunes dans les projets à vocation socio-éducative, permettre la découverte d'un nouvel environnement et de nouvelles activités, et développer la mobilité des vacanciers, et enfin favoriser l'acquisition ou le développement de savoir-faire en termes d'organisation de vacances ou d'autres compétences transférables. Autrement dit, les rendre autonomes, acteurs, conscients et leur permettre de passer un bon séjour de vacances. Voilà, donc. Voilà, donc on vous propose de valider cette délibération d'un montant de 37 500, sachant qu'il y a un petit reliquat de l'année dernière qui n'avait pas été consommé totalement, mais que l'on reprend pour cette année, et le reste, donc 32 000 pour l'année 2023. Au total, 37 000 euros. Bien, merci Monsieur Alvarez. C'est la 14-1, je la mets au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Vous pouvez reprendre la parole, M. Alvarez, pour la 14-2 sur des séjours été 2023. Et ça se passe au CIVU, avec lequel, à Marcy-en-Combraille, il s'agit de signer un contrat de location. Un syndicat intercommunal à vocation unique dont nous sommes co-actionnaires avec la ville de Marcy-en-Combraille. Et on loue l'équipement pour autant. Troisième année consécutive, donc, que la direction de la ville et quartiers et jeunesse organise des séjours au château du Courtois à Marcy-en-Combraille, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je rappelle que cet équipement est la propriété de la ville de Sarcelles à 80%. C'est le dernier outil collectif de vacances qui est la propriété de la ville. Et donc nous nous efforçons au travers de ce séjour, d'une part de permettre aux familles de Sarcelles d'en bénéficier, de pouvoir découvrir une magnifique région de l'Allier et de l'Auvergne, mais également de faire en sorte que ce partenariat puisse se régler dans un équilibre financier le plus positif possible pour la ville, puisque nous en sommes propriétaires à 80%. Voilà, donc depuis 3 ans, on a essayé de mettre en place avec les maisons de quartier et la jeunesse des séjours permettant aux familles, puisque c'est quand même un lieu relativement loin, mais les séjours se déroulent et les gens sont très, très satisfaits de ce que nous leur proposons et de l'accueil qui leur est réservé sur place. Voilà, donc on vous propose de valider cette délibération pour permettre de faire partir des familles et des jeunes. Très bien, merci Monsieur Alvarez. Je la mets au vote, c'est la 14-2. Oui, une question, Madame Sansu. Une question sur cette belle initiative qui doit attirer beaucoup de candidats.
Comment sont arrêtées les listes d'enfants qui participent au congé ? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de prétendants. Il y a beaucoup de prétendants et il y a donc des commissions qui sont mises en place au sein de la direction de la vie des quartiers qui examinent l'ensemble des demandes en faisant en sorte, comme premier principe, que cela touche l'ensemble des quartiers de la ville et donc qu'il y ait une équité dans le traitement des demandes pour que ce ne soit pas bien évidemment seulement le premier demandeur et le premier servi, mais qu'il y ait bien un équilibre sur la totalité des secteurs. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, on regarde aussi en fonction du départ en vacances, de la composition familiale, du fait qu'ils aient bénéficié ou pas d'autres types de prestations. Voilà, c'est ce regard-là qui est porté de façon collective au sein de la direction. Bien, merci Monsieur Alvarez. On va mettre ça au vote, c'est la 14-2. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, unanimité? Je vous remercie et je vous redonne la parole, mon cher Manuel, sur une convention avec une convention d'accueil de collaborateurs organisationnels. Pardon, je reprends. Une convention d'accueil de collaborateurs occasionnels, tout simplement. C'est collaborateurs occasionnels, j'arrivais pas à dire. Collaborateurs occasionnels bénévoles au sein des services de la direction Vie des quartiers jeunesse. Expliquez-nous tout. Voilà, c'est un principe qui existe déjà depuis plusieurs années. On n'invente rien là-dessus. Il s'agit de pouvoir accueillir au sein de l'organisation des périodes d'été dans les maisons de quartier des jeunes qui, de façon bénévole, participent à l'organisation des activités qui sont proposées. Je précise bien qu'il s'agit d'un travail qui n'est pas rémunéré. Il s'agit réellement de bénévolat et qu'il ne s'agit pas, je me le suis fait repréciser parce que je voulais qu'on soit totalement sûr qu'il n'y ait pas de dérive là-dessus, il ne s'agit absolument pas de remplacer des agents, des animateurs, du personnel de la ville qui pourraient être déjà sur ces fonctions-là. Donc il ne s'agit vraiment pas de faire une économie, c'était évidemment hors de propos, mais de renforcer, d'accompagner et de permettre que par leur travail bénévole au sein de ces structures, ils participent également à la vie de leur propre quartier. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très demandé par les jeunes eux-mêmes par les équipes. Donc ils n'ont pas de charge d'encadrement, ils ont une charge d'aide, d'accompagnement. Mais ils ont un statut maintenant. Ils sont officiels, ils apparaissent clairement dans les effectifs des maisons de quartier. Parfait, merci Monsieur Alvarez. On va mettre ça au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. Je passe la parole à Madame Raja sur plusieurs délibérations au niveau de la politique éducative. La première, la 15-1, c'est la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques ainsi que les dotations de fonctionnement aux écoles privées sous contrat. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc il s'agit d'un forfait communal qui est calculé par référence au coût moyen d'un élève externe scolarisé dans les écoles publiques de la commune d'accueil. Le montant est d'une valeur de 905 € pour un élève d'école maternelle et de 687 € pour un élève d'école élémentaire. Et je vous demande de valider cette délibération. Je vous remercie. Très bien, merci Madame Raja. Des questions là-dessus? Ça va, c'est habituel. Hein. On est au-dessus du taux directeur moyen, mais comme on en fait plus pour les écoles privées, pour les écoles publiques, pardon, il est normal qu'il y ait cette correspondance avec les écoles privées. C'est la 15-1, je la mets au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. Je passe à la 15-2, c'est le versement d'une allocation forfaitaire aux établissements scolaires maternels et élémentaires. Ça, c'est pour leur contrat d'assurance. C'est toujours Madame Raja qui rapporte. Je vous remercie, Monsieur le maire. Donc là, tout est dans le titre. Cette allocation forfaitaire est d'un montant de 82,31 € qui correspond au montant de la prime d'assurance, qui représente un montant global pour toutes les écoles de 2963,16 €. Je vous remercie. Bien, merci Madame Raja. Je vais mettre ça au vote également. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. La 15-3. Des subventions, cette fois, au projet pédagogique. On est dans le premier degré ici, n'est-ce pas? Oui, tout à fait.
Donc, c'est les subventions allouées aux établissements. Donc, on a un total des opérations qui s'élève à 35 210 euros. Ce sont pour les projets pédagogiques des écoles maternelles et élémentaires. Et vous avez le descriptif en annexe. Parfait. Donc, vous avez voilà, toutes les subventions qui sont dans l'annexe pour plus de détails. Et on vous propose de voter également cette délibération 15-3. Il y a des comptes, des abstentions, unanimité, je vous remercie. La 15-4, même sujet, mais cette fois sur le second degré, Madame Rajin. Exactement. Donc, ce sont aussi, on finance aussi et on subventionne les projets pédagogiques pour les collèges et lycées. Et là, le total s'élève à 30 290 euros. Parfait. Merci, Madame Rajin. Des questions là-dessus, ça va ? Je vais mettre ça au vote. C'est la 15-4. Des contres, des abstentions, unanimité. Je vous remercie. Je repasse la parole à Monsieur Alvarez, qui n'a pas dit son dernier mot, sur les modalités de mise à disposition de tablettes numériques cette fois. Il me reste trois mots à dire. Donc, voilà, d'habitude, je suis plutôt sujet à râler, à pester contre les effets secondaires de la dématérialisation dans les administrations. Mais là, pour le coup, je suis plutôt heureux de présenter cette délibération, puisqu'il s'agit d'apporter une amélioration aux conditions d'inscription et aux conditions de pointage des enfants dans nos structures de loisirs et donc de permettre de sécuriser l'ensemble de ces actes et de faciliter pour le coup le travail des agents qui en ont la charge, sortir de la procédure que vous avez connue quand vous étiez un tout petit peu plus jeune, papier, crayon, doigt levé, voilà, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus fonctionnel aujourd'hui et beaucoup plus sécurisé en attribuant à l'ensemble de ces agents dans les centres de loisirs des tablettes qui vont leur permettre de faire donc ces réservations et automatiquement la réservation va développer plein d'algorithmes qui vont arriver jusqu'au porte-monnaie des familles puisque ça, en passant par la facturation. Voilà, donc ça sera, il n'y aura pas de perte en ligne pour ces raisons. Et donc, on vous propose donc de valider par cette délibération l'attribution de ces tablettes qui feront l'objet d'un contrat individuel avec chaque agent pour bien s'assurer que le matériel est bien utilisé et qu'il revient à la fin de l'activité professionnelle de l'agent à la ville. Parfait. C'est le contrat de confiance et c'est surtout de la fluidification et du travail en temps réel sur la question toujours sensible des inscriptions aux activités extra et périscolaires. C'était la 16-1, je la mets au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, unanimité, je vous remercie. Et enfin, Madame Annick Lelivier-Langlade, enfin pouvoir prendre la parole, elle a tout suivi, elle a été particulièrement patiente. Elle a quatre délibérations, les unes plus passionnantes que les autres. On commence par le grand mélange, n'est-ce pas, ma chère Annick ? Alors, après les deux stages organisés en octobre 21 et octobre 22, et dans le cadre du dispositif quartier d'été, la ville souhaite renouveler son partenariat avec l'association le grand mélange, qui promeut l'éducation artistique et culturelle, et propose une semaine de stage de pratique chant choral avec danse et théâtre, gratuit pour 36 enfants d'accueil des centres de loisirs des maisons de quartier. Donc ce sera du 17 au 22 juillet. Le stage sera accueilli au conservatoire avec une restitution le samedi 22 juillet. Donc, et je vous incite à aller d'assister à cette restitution parce que le travail est vraiment de qualité et les enfants sont investis vraiment à fond. Donc il est demandé au conseil d'autoriser monsieur le maire à signer la convention avec le grand mélange. Bon, c'est super ça, le grand mélange, encore une belle action culturelle. Vraiment, il y a des choses tout à fait exceptionnelles, hein, que je vous invite à venir observer, à y participer. Je pense notamment à Cyrano aussi, hein, ce très beau projet que nous avons lancé. C'est la 17-1, je la mets au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, unanimité, je vous remercie. La 17-2, la signature du convention de prêt, cette fois c'est l'exposition itinérante Ripaille et Rogaton, manger au Moyen-Âge en Pays de France. Oui, c'est fort de son succès de 2022, l'exposition Ripaille et Rogaton prêtée par le musée Arkéa, en collaboration avec l'agglomération Roissy-Pays de France, revient à la Maison du patrimoine pour répondre à la forte demande des établissements scolaires qui n'y avaient pas eu accès en 2022.
Bon, c'est une exposition en lien avec le partenariat de la ville et l'association Inventaire qui propose d'y organiser des animations. Donc il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de prêt avec la communauté d'agglomération Roissy de Pays de France pour le musée Arkéa. Parfait, merci Madame Olivier Langlade. Pas question là-dessus, on l'a déjà eu l'année dernière. Très sympa, à la Maison du Patrimoine, tout va bien. Je la mets au vote, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et là, on va signer sur la 17.3 un nouveau partenariat. On est toujours en lien avec eux, avec l'Opéra National de Paris. De quoi s'agit-il? Alors, pour favoriser l'accès du plus grand nombre aux œuvres du patrimoine lyrique ou chorégraphique, l'Opéra de Paris, dans le cadre de son opération Opéra d'été, a proposé de nous associer à cette opération en diffusant une œuvre captée à Garnier ou à l'Opéra Bastille. Toujours dans l'offre d'action culturelle d'excellence, la ville souhaite répondre favorablement à cette proposition. Et le ballet Le Lac des Cygnes a été choisi et sera diffusé le 12 juillet à la salle Berryer dans le cadre du Festival des Jardins d'été. Donc, vous pourrez assister à cette diffusion si vous autorisez, Monsieur le maire, à signer la convention avec l'Opéra de Paris. Et c'est ça. Pas de vote, pas de spectacle. Pas de spectacle. Voilà. Donc, c'est la 17.4. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Une question. Pardon, une question. Je vous en prie, Madame Stancio. Une question concernant l'accès à ce spectacle qui a lieu à la salle Jacques Berryer. Très belle salle. Donc, située au village. Est-ce qu'il y a des moyens mis en place pour encourager les gens de Lochère à venir justement assister à cet événement? Mais oui, avec les maisons de quartier, les associations, nous n'avons plus de médiateurs culturels pour le moment, mais oui, bien sûr. Ou des navettes peut-être pour les familles? Je crois que la navette est prévue, effectivement, comme pour la saison culturelle. Ça, c'est bien, effectivement, le système de navette pour un certain nombre de spectacles. Donc ça, c'est la 17.3, je la mets au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et la 17.4, ça parle de l'association Plein Jour, c'est Plein le jour. Projet J-Opéra, n'est-ce pas, en lien avec les Jeux Olympiques. Oui, dans l'esprit des Jeux Olympiques, l'association Plein Jour propose le projet J-Opéra, dans le but d'offrir aux habitants des quartiers prioritaires une approche artistique d'un répertoire musical international, notamment autour des hymnes nationaux, et aussi la création d'un hymne pour tous les participants. Donc le projet est en lien avec le service des sports, bien sûr, puisqu'il s'agit des Jeux Olympiques, et le concours de l'abbaye de Royaumont pour l'excellence de sa pratique culturelle. Donc il est demandé à Monsieur le maire d'autoriser à signer la convention avec l'association Plein Jour. Bien. Des questions là-dessus? Ça va, je vais mettre ça au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Merci Madame Olivier Langlade pour cette pièce en 4 actes. Et je vais passer la parole dans le cadre de la direction. Mais non, pas en Alexandra, pas encore. Direction générale et services techniques, c'est Monsieur Lassonde qui nous a rejoint discrètement pendant ce conseil municipal pour nous parler d'une convention avec le CIGIDUR, ce qui est relatif au conditionnement des déchets de ferraille au singulier et métaux au pluriel. N'est-ce pas? Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. En effet, depuis 2 ans, les services techniques ont accéléré le tri en vue du recyclage des différents déchets qui sont collectés sur la ville, notamment en mettant en place un quai qui aujourd'hui prend la forme d'une mini décharge, d'une mini déchetterie, je dis, pour éviter justement les problèmes de décharge qu'on peut avoir un peu partout dans la ville. Et afin de valoriser ces déchets collectés sur la commune, les services. Cette délibération s'inscrit dans cette dynamique de valorisation des déchets et du principe d'économie circulaire. C'est ainsi que la ville récupère beaucoup de ferraille et métaux qu'elle trie. Et par cette présente délibération, l'idée c'est que le CIGIDUR puisse s'engager à les collecter directement au CTM, au Centre Technique Municipal de la ville, afin de les recycler et de les valoriser. Au regard du faible prix des métaux et du travail important de recyclage, la ville cédera gracieusement l'ensemble de ces ferrailles et métaux ainsi collectés. Et la présente convention est conclue pour une durée de 3 ans et il est demandé
proposer au conseil municipal d'approuver cette convention. Bon, ça me paraît pas mal, moi, comme opération. Des questions là-dessus, ça va. Tout le monde est d'accord, l'affaire à les métaux, hein, une belle convention et tous aussi Gidurs. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. Monsieur Lassonde, qui a une belle petite série de délibérations ce soir, toujours avec le CIGIDUR cette fois, là on va mettre des bornes enterrées de collecte de déchets. Ce sera à l'allée Albert Roussel, à côté de la place Saint-Saëns, n'est-ce pas? Et c'est prochainement que ça va se passer, n'est-ce pas, monsieur Lassonde? Tout à fait. Le CIGIDUR travaille de concert avec les services de la ville, justement, pour pouvoir mettre des bornes aériennes ou enterrées le plus possible afin de supprimer, d'éliminer tous les containers roulants qui polluent l'espace public, le paysage urbain, et ainsi pouvoir à la fois améliorer la circulation des piétons et également améliorer les questions de salubrité. Cette convention tripartite entre bailleurs, le CIGIDURS et la ville vise à l'implantation, comme vous l'avez dit, d'une borne enterrée allée Albert Roussel, qui constituait jusqu'à présent un véritable problème de dépôt sauvage. Et donc il convient de préciser que cette convention précise les obligations de chacun, notamment les obligations du bailleur, les répartitions des responsabilités et également au niveau des travaux. La prestation de génie civil sera effectuée dans le cadre du marché pour un montant de 20 000 euros. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver cette convention. Bien, ça me paraît être une bonne façon de... Voilà, d'organiser les choses, hein, au fur et à mesure qu'on refait les voiries et qu'on aménage les quartiers, évidemment, qu'on prévoit les bons moyens de collecte. Hein, et donc, on arrête les collectes avec les bacs en plastique, les conteneurs en plastique qui sont quand même très problématiques, et on passe progressivement à de la borne aérienne ou enterrée. Là, ce sera de l'enterrée, place Saint-Saëns, Albert Roussel, la 19-1. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, unanimité? Je vous remercie, monsieur Lassonde toujours. Cette fois, on va refaire la rue de Bellevue. De quoi on va se parler précisément sur la rue de Bellevue, monsieur Lassonde, hein? Les travaux ont commencé, n'est-ce pas? Alors, sur la rue de Bellevue, ce n'est pas directement moi, c'est monsieur Yabas. Mais oui, c'est ça, non, je me suis fait avoir. Mais je reprendrai la parole juste après, si vous m'autorisez. Il y a des SL au milieu, voilà, tout à fait. J'étais en train de me demander quel était le lien, si on allait mettre des conteneurs aussi, mais ce n'est pas ça. Non, c'est monsieur Yabas, absolument, mon cher Stéphane, sur la rue de Bellevue. Donc, est-ce qu'on va bientôt avoir une belle vue de cette rue? Tout à fait. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Effectivement, il y a des travaux de réhabilitation des réseaux d'eau usée rue Bellevue par SIA. La ville de Sarcelles souhaite réaliser la réfection complète de la voirie sur cette rue. Cette réfection l'incombant sur SIA, celui-ci, au terme des travaux, remboursera la ville de Sarcelles pour un montant de 20 269 € hors taxes. Il est demandé de mettre en délibération, monsieur le maire. Bah vous avez la délibération là, hein, si besoin, pour être toute précision. Pas de difficulté, on fait la rue de Bellevue, elle en avait bien besoin dans ce quartier-là. Il y a eu beaucoup de constructions et de travaux, et donc il y a un besoin de les refaire. Madame Huchet, dites-nous. Alors, oui, moi c'est ce que j'allais dire, exactement, vous me coupez l'herbe sous le pied, il y a vraiment besoin de refaire cette route, et ce n'est pas la seule, même dans ce quartier-là. C'est devenu vraiment, ce sont des pistes, quoi. C'est plus des routes, on ne peut plus qualifier ça de route. C'est insupportable, et je dirais même que c'est dangereux, tant pour les cycles, quels qu'ils soient, même motorisés, que les piétons. Donc c'est vraiment une urgence, quoi. Voilà. Entièrement d'accord. En fait, ce qu'on attendait que les travaux finissent, parce que si vous refaites une rue et qu'ils sont en train de faire les travaux, c'était compliqué, on n'avait même pas accès aux rues, avec toutes les constructions qui ont eu lieu dans le coin. Et donc là, l'idée, c'est de refaire progressivement. Donc là, on a dit Bellevue, mais de mémoire, il y a... Il y a rue de Flora aussi. Il y a... Comment vous avez dit? Rue de Flora. Flora, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire Flora, Montfleury. Montfleury également. Flora, Montfleury et Tourelle. Ouais, Tourelle, rue des Noyers. Voilà, c'est tout ce secteur-là qui a été très densifié et qu'on refait progressivement. C'est une à deux rues par an, histoire qu'en trois ans, on est tout fait. Hein. Là, vraiment, les gens ne peuvent pas attendre beaucoup plus. Hein. Tout à fait. Et on fait ça, donc on l'assume. Certains se sont plaints, mais on essaie de leur expliquer. C'est qu'il faut aussi rendre la ville aux piétons. Donc les gens doivent se garer chez eux et on fait en sorte qu'il y ait des bornes anti-stationnement intégrées dans les voiries. Comme ça, les gens peuvent marcher
il y a des gens qui sont en mobilité réduite, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, il y a des gens qui ont des poussettes. On ne peut pas avoir des voitures sur tous les trottoirs de la ville, ça n'est pas possible. Et donc, plutôt que de faire et de, les rues et de mettre les bornes après, on les intègre directement dans la voirie. Hein. Maintenant, tout le monde sait faire ça. Et donc, on l'explique réunion de quartier après réunion de quartier, prendre la ville aux piétons est tout à fait fondamental. Merci, monsieur le maire. Parfait. Je la mets au vote, du coup, c'est la 19-2, pas de problème. Il y a des comptes, des abstentions, l'unanimité, je vous remercie. Je redonne la parole à monsieur Lassonde, hein, qui avait bien encore une délibération à présenter. C'est l'approbation et la signature de convention de prêt à usage d'espaces verts privés pour un usage dans un cadre public. C'est notre lien avec les copropriétés pour clarifier la propriété et l'entretien surtout des espaces verts. Tout à fait, monsieur le maire. Comme vous le savez, la ville de Sarcelles, dans son grand ensemble, a bénéficié d'une urbanisation qui a, malgré la forte densité du grand ensemble, su préserver de nombreux espaces verts d'usage public, bien que ceux-ci appartiennent pour une grande partie à des espaces privés, aux copropriétés. Soucieux de préserver la qualité de ces espaces verts indispensables à la fois à la biodiversité, au calme et à la qualité de vie des habitants, ces espaces sont actuellement ouverts à l'ensemble de la population et il nous importe que ceci reste le reste. Conscient que dans le contexte économique et l'équilibre économique fragile des copropriétés, ce projet de convention permettra ainsi à la ville de Sarcelles de participer à un entretien ponctuel de ces espaces verts, en contrepartie que ces espaces restent à d'usage public. Les conventions sont ainsi consenties jusqu'au 30 juin 2026. Les services conservent la libre appréciation de la nécessité et ainsi que du degré d'urgence d'intervenir sur ces espaces. En aucun cas, l'entretien de la ville sur ces espaces ne constitue une obligation. Dans le cadre de cette convention, également est inclus le remplacement des ampoules usagées de l'éclairage public de ces espaces, d'usage public. Voilà. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver ce projet de convention qui sera après conclu avec un certain nombre de copropriétés, comme c'est annexé dans la délibération. Très bien. Merci, monsieur Lassonde. Des questions là-dessus ? Oui, monsieur Valent. Oui, juste une question. Ça me semble, enfin, j'avais déjà eu l'occasion de poser une question, je crois, au dernier conseil sur ce sujet. Donc, je suis heureux de voir que ça avance et que ça se concrétise. Néanmoins, j'ai juste une réserve sur le fait que vous dites que c'est ponctuel et à l'appréciation de la ville. Donc, il n'y a pas de caractère automatique de l'entretien de ces espaces, si je comprends bien, ni du remplacement, ni sur l'éclairage. Donc, je vous donne des éléments de réponse. Si, sur l'éclairage, en fait, c'était pour clarifier ça, parce que c'était un usage qui n'avait pas de formalisation. Et donc, sur le changement des ampoules, hein, la ville s'en charge. Après, quand il y a des travaux plus importants, là, c'est à la charge des copropriétés. Donc, on peut en discuter, mais il n'y aura pas d'automaticité. Sur les espaces verts, il fallait clarifier cette question, parce que la ville s'était mise à tout entretenir, on ne sait pour quelle raison. Donc, on a rétrocédé au bailleur l'entretien, ça s'est fait. Et on fait le même travail avec les copropriétaires, mais comme on sait qu'ils ont plus de difficultés que les bailleurs, on leur offre la possibilité, à travers cette convention, de réaliser, nous, à nos frais, aux frais de la ville, un entretien, on va dire, minimal. Hein, voilà, la coupe standard, elle est offerte. Après, s'ils veulent faire des fioritures, c'est eux qui le font. Hein. Donc, on dit à l'appréciation, c'est-à-dire que ça va rentrer, mais il y a une question diverse là-dessus, on en rediscutera dans un instant, dans le fait qu'on va aussi, ici comme ailleurs, on change de doctrine, hein, sur l'entretien des espaces verts, les coupes à ras, tout tondu comme ça, c'est fini, ça coûte cher, ça utilise des moyens humains et matériels, inutiles et polluants parfois, et en plus ça n'a aucune utilité, voire même, c'est même pas que ça n'a pas d'utilité, c'est que ça n'est plus aux normes environnementales, on a besoin d'avoir de la nature, on a besoin d'avoir des espaces verts, des îlots de fraîcheur. On est passé hier, on avait un diagnostic en marchant sur le quartier Champ de Pierrosier, dans la première version que l'on avait, enfin la dernière version en date de l'aménagement dans le cadre de l'ANRU, il était question d'araser la butte, cette espèce de délaissé qui avait été mis là quand ils ont fait les travaux, mais qui est devenue une forêt urbaine depuis. Et pour créer de la fluidité, il était question d'araser cette butte. On est passé hier avec les habitants du coin et on s'est dit que c'était une folie. C'est un îlot de fraîcheur. Au moment où on en construit, on allait en détruire un avec une facture de 500 à 800 000 euros. Enfin, qui c'est qui met 500 à 800 000 euros pour arracher des arbres, voilà. Donc j'ai mis fin à ça immédiatement, enfin hier,
Mais c'était pas la, voilà, c'était pas les mêmes réflexions qu'on avait il y a 3-4 ans. Donc on va créer de la fluidité, il y a des cheminements à clarifier à Champy, on va améliorer hein, les choses en lien avec les habitants, mais évidemment que l'idée, c'est qu'il y ait plus de nature en ville et pas moins. Et donc c'est dans ce, avec cette philosophie-là aussi que l'on va nous réaliser un entretien minimal, si les copropriétés signent cette convention avec nous, et puis si eux, après, ils ont envie d'en faire plus, de faire différemment, voilà, ils pourront toujours le faire, en sachant que, on y revient dans la question diverse, l'idée, c'est quand même de définir une doctrine à l'échelle de la ville sur l'entretien des espaces verts, parce que si nous, on a une doctrine, mais que les bailleurs en ont une autre, mais que les propriétaires en ont une autre, et que chacun en a une différente, à la fin, ça fera quelque chose de pas du tout cohérent, et personne ne va rien y comprendre. Hein. Mais donc, voilà, ça, on y revient. Simplement, l'idée ici, c'est bien de voter cette possibilité pour les copropriétés de signer une convention au titre de laquelle la ville s'engage à ses propres frais, donc sans coût pour les copropriétés, de réaliser un entretien minimal, et on verra site par site, point par point, ce qu'il y a à faire précisément avec ces copropriétés. On se dit ça ? Ça va ? Je la mets au vote. C'est donc, hop, je vous donne le bon chiffre, parce que j'aime bien que les chiffres soient les bons. C'est la 21. Est-ce qu'il y a des contres, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Et on va terminer avec la 21.1 avant de revenir à la question diverse. C'est Madame Mayol qui va nous parler, comme chaque année, d'accessibilité du rapport 2022 accessibilité. Les commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité instaurées par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées imposent aux communes et intercommunalités de 5000 habitants et plus d'établir un constat de l'état d'accessibilité de leur territoire et d'engager une réflexion pour améliorer la chaîne de déplacement dans son intégralité. Dans ce cadre, les commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité sont tenues d'établir un rapport annuel, et de l'adresser au préfet. Donc en 2022, malgré l'absence formelle de réunions et de groupes de travail ou d'assemblées plénières, les membres de la commission ont été tenus informés des évolutions favorables et des points ou points de blocage. Là, je suis perdue. Groupe de travail. Par ailleurs, la présence de la ville a été renforcée dans de nombreuses instances consultatives, notamment les conseils de la vie sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Enfin, les actions ponctuelles qu'elle porte avec le CCAS sont autant d'occasions de fédérer l'ensemble des acteurs du handicap dans une approche holistique. Donc, vu la loi 2005-102, 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, de la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Vu la loi 2015-988, du 5 août 2015, rectifiant l'ordonnance numéro 2014-1090 du 26 septembre 2014, relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments, l'habitation de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès aux services civiques pour les jeunes en situation d'handicap. Vu la délibération 2020-224 du Conseil municipal du 1er décembre 2020, reçue en sous-préfecture le 3 décembre 2020, relative à la réorganisation de la Commission communale pour l'accessibilité et à la fixation du nombre de ses membres. Voilà, donc je demande de voter cette délibération. Parfait, merci Madame Mayol. Je vais mettre cette délibération au vote, donc la 21 sur le rapport d'accessibilité dûment présenté. Est-ce qu'il y a des questions, des contres, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Nous avions une question diverse, elle émane de Madame Stanciou. C'est par écrit, donc je vous laisse la poser et puis on vous amène les éléments de réponse. Sylvain, est-ce que tu as les éléments de réponse à cette question ou ça ne te dit rien ? Ça ne te dit rien. Donc j'ai quelques éléments, mais tu pourras compléter, c'est sur les espaces verts. Allez-y, Madame Sanciou. Oui, une petite note bucolique pour terminer ce conseil municipal. La municipalité s'est engagée dans le fauchage tardif. Ce qui est bien, mais pas forcément compris par tout le monde. Ça peut donner un effet visuel
qui pourrait laisser l'impression que la ville est un petit peu abandonnée ou que certains endroits sont oubliés. Donc, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la planification qui est prévue, les critères selon lesquels les endroits sont choisis pour appliquer ce concept. Et voilà. Merci Madame Stansou, c'est un sujet important. Je donne quelques éléments et puis je te laisse compléter Sylvain. Non mais c'est important de se le dire parce que c'est vrai. Juste un point, pardon, je vous coupe. Et puis aussi, il y a peut-être un manque d'information. Dans la question que j'ai posée par écrit, je parle d'une signalétique. Alors le mot est fort, mais je pense qu'il y aurait quelque chose à imaginer avec des panneaux à la fois informatifs et pédagogiques pour expliquer cette démarche. Oui, tout à fait. Alors, les panneaux, ils sont en cours de... On a commencé à en poser, Christophe, les panneaux Fauche Tardive. Ils sont en cours de pose. Voilà, ils sont, on vient de les recevoir à notre demande, et ils sont effectivement en cours de pose, puisqu'autrement, c'est vrai que c'est un peu difficile de comprendre. On s'est aperçu vraiment que tout le monde n'était pas sensibilisé à cela, et que les gens étaient sur quelque chose de très routinier, qu'ils avaient l'habitude que le jardinier passe tous les mois. Voilà, mais y compris pour nos propres services, hein, j'ai dû passer la consigne à de très nombreuses reprises pour faire en sorte, par exemple, que les ronds-points soient moins souvent tondus, parce que ce n'est pas une nécessité absolue d'avoir un rond-point tondu comme du gazon anglais. Ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, progressivement, on laisse pousser, mais c'est à la fois pour les agents qui entretiennent, c'est un vrai changement culturel. Pour les habitants, on l'a expliqué dans des diagrammes marchands, ce n'est pas du tout quelque chose d'intuitif. Donc, il faut qu'on en fasse la pédagogie, que l'on ait un plan de déploiement à l'échelle de la ville. Donc, on commence par les espaces verts qu'on entretient nous-mêmes, parce qu'on en a la maîtrise, donc c'est quand même plus facile, en mettant ces panneaux qui sont pédagogiques. Et puis ensuite, je souhaite que l'on ait vraiment toute une communication qui se déploie pour expliquer la stratégie. On fera des vidéos explicatives. On utilisera un de nos magazines municipaux à titre principal pour établir aussi bien cette nouvelle doctrine, et on fera en sorte qu'elle soit aussi appliquée après discussion avec les bailleurs et avec les copropriétés. Mais j'ai vu des choses assez affligeantes, hein. J'ai vu des endroits où ça commençait à prendre comme îlot de fraîcheur en joli, en voilà, ça poussait de façon tout à fait agréable, et les habitants ont appelé leurs bailleurs, en l'occurrence CDC Habitat, mais de façon répétée pour surtout qu'ils fassent tondre comme c'était avant. Et du coup, ça a fait, avec la chaleur qu'il a fait, ça a fait de l'herbe jaune, quelque chose vraiment de pas joli. On va compléter ça quand même aussi, hein, sur le côté prairie fleurie, en faisant en sorte que ça pousse, mais que l'on sème aussi des graines pour que ça soit plus agréable. Parce que c'est toujours joli quand ça pousse, moi j'aime bien, les gens ne sont pas très habitués, mais si en plus de laisser pousser, au préalable, on a mis des graines pour que ça nous donne des fleurs de toutes les couleurs, ça fera quelque chose de plus acceptable pour celui qui n'est pas encore convaincu, et puis de toute façon de quelque chose de plus visuellement agréable pour tous les autres. Monsieur Lasson, vous voulez compléter certainement ? Oui, très rapidement. Hein. Je vous remercie pour cette question qui est véritablement une des transformations importantes que l'on a opérées au niveau des services techniques et des espaces verts, qui est justement d'engager le changement de doctrine sur ce qu'on appelle la gestion différenciée des espaces verts, où on n'est plus à tout tondre comme un green de golf ou un jardin à la française de le nôtre, mais de laisser la nature un peu plus s'exprimer pour des questions de biodiversité, comme je le pouvais le dire tout à l'heure, mais également, comme Monsieur le maire le précisait, sur la constitution de prémices des îlots de chaleur. Il faut savoir que sur des espaces où on laisse pousser l'herbe autour de 20-30 cm, on peut, en période de canicule, faire baisser la température localement de 2-3 degrés, ce qui n'est pas neutre, pour le confort des habitants qui vivent autour. Donc, ces critères de gestion différenciée, nous sommes accompagnés par le CAUE, donc, qui est un organisme qui est reconnu pour son excellence sur la question urbanistique et notamment environnementale, qui nous a accompagnés. On avait fait passer deux délibérations dans les années précédentes par des missions de conseil pour justement identifier les zones les plus pertinentes pour être justement des phases de test sur cette gestion différenciée et les fauchages tardifs.
comme le disait Monsieur le maire, l'idée c'est que ce soit joli, mais dans un premier temps, on avait aussi besoin de laisser la nature s'exprimer, de voir comment est-ce que la nature reprenait ses droits, et au bout de un ou deux ans, on va pouvoir identifier à quel endroit on n'a que des adventices ou à quel endroit on a justement déjà la nature qui s'est diversifiée. Et donc, on va pouvoir maintenant l'accompagner sur, en incorporant quelques graines ou quelques vivaces pour justement amener de la diversité qui amènera également de la diversité en termes de biodiversité et de nature. La dernière chose que je voulais dire, c'était sur la communication, comme M. le maire vient de le dire, les panneaux, on vient de les recevoir, ils sont en cours de pose. Merci pour ces éléments de réponse. Oui, allez-y, Madame Michel, vous voulez. Par rapport dire à ça, je voulais juste signaler que nous avons encore quelques champs à Sarcelles. Il n'y en a pas beaucoup, certes, mais il en reste notamment au Haut-du-Roi. Et sur la biodiversité, je ne les vois pas vraiment agir. Enfin, je veux dire, on a demandé, enfin, le gouvernement a demandé à ce qu'il y ait des haies qui soient de nouveau installées, à ce qu'il y ait des fossés de nouveau installés, de façon à ce que la terre ne. Si jamais il y a une très très grosse pluie, la terre ne passe pas sur les routes, etc. Je passe régulièrement et malheureusement, ils ne sont pas du tout dans les clous. C'est un petit peu dommage. Peut-être pourriez-vous les inciter à voir, voilà, dans ce sens-là, dans le même sens que la ville, quoi. Ils font partie de la commune. Merci. Monsieur Lassonde. Oui, tout à fait. Mais bon, comme vous le savez, c'est des agriculteurs privés. Donc. C'est un peu plus compliqué. Là où, par contre, on aura une possibilité d'agir qui est beaucoup plus importante, c'est sur le projet des jardins Kennedy, des quartiers fertiles, où on a pour projet d'amener de l'agriculture urbaine, et donc qui, à partir des jardins de Kennedy, vont un peu essaimer dans différents endroits de la ville, où là, la ville, on aura une mainmise directe pour justement certaines friches qui vont passer. Où on va pouvoir mettre une agriculture urbaine, où là, on aura justement la possibilité de faire ce que vous dites. Et dans ce cadre-là, vu que la ville aura été moteur, ce sera aussi beaucoup plus facile d'embarquer ces agriculteurs qui sont privés. Et on peut... Oui. Bien. C'est ce que je vous ai dit. Oui. Mais c'est vrai que ça fera partie du plan global, une fois qu'on établit bien la façon dont on veut travailler, dont on veut gérer de façon différenciée ces espaces verts, ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde et plus incitatif que si on demande aux uns et aux autres de petites opérations ponctuelles qui sont beaucoup moins comprises que si on n'explique pas tout ça. Mais vraiment, moi j'ai le sentiment qu'on... Alors à la fois, il y a une partie des habitants qui sont en attente et qui... comprennent bien ces enjeux-là, mais pour beaucoup d'autres, c'est quelque chose dont ils sont assez éloignés. Donc il y a un vrai travail pédagogique à conduire pour... et on se laisse globalement d'ici la fin du mandat, c'est-à-dire qu'entre maintenant, les trois ans qui viennent, que l'on ait vraiment appliqué et fait appliquer partout la gestion différenciée des espaces verts et le fait d'avoir davantage d'îlots de fraîcheur, de nature en ville, de prairies fleuries, dans le cadre des réhabilitations que l'on réalise quand on reprend des places, etc., davantage les végétaliser que les opérations qui ont pu avoir lieu lors des réhabilitations, des réfections précédentes. Messieurs, dames, je vous remercie pour l'excellente tenue de ce conseil municipal. Soyez prudents et encore un grand merci aux services municipaux mobilisés pour cette ville. Excellente soirée à vous.